Voilà, démarre enregistrement. Je vais lancer Minecraft. Minecraft. Oh, génial, je vais faire de la chimie. Ah, ça m'a tellement procuré de plaisir de faire des potions comme avant. C'est trop bien. J'ai pris assez de matos. Voilà ça. C'est trop bien, c'est trop bien. Non, il faut que je mette le salon audio de Minecraft, moi. Sinon, voilà, une fois de plus, je vais pas tout suivre. Oh, j'en fais des âneries. Et voilà, et je regarde Lâche. Parce que ça tu me laisses une vingtaine de minutes, le sage, et puis j'arrive à te montrer le truc. Oui, rien ne presse. Moi, je joue au moins jusqu'à 23h, peut-être jusqu'à minuit. Ok. Bon, je vais avoir les yeux qui vont piquer demain matin au moment de bosser, mais bon. Ah, j'ai du mal à quitter le week-end, c'est trop bien. Oui. Ah ouais, la vache, l'image de la mise à jour qui va arriver, punaise. Déjà, il montre les déclinaisons de cuivre qu'on va pouvoir faire. C'est bien, on va pouvoir faire des grilles d'aération cubiques. Ça va compléter le fer. Le cube, il est trop classe à en fer tressé. Ou maillé, plus exactement. Et ça commence la bataille chez Nash. Ouais, il est beau le jeu graphiquement, il est classe. Mais il est buggé, hein. Oh. J'y ai joué. Ouais. Serveur Minecraft a dit. Minecraft, my love. Bonsoir les Minecraftiens. Serveur Minecraft a dit. Astérisque le sage de Nancy. Astérisque. Speech-babaloon. Oh, ça marche pas. Je suis obligé d'attendre. Émoticône sourire. Oh, fiché. Déception. Bon, bah, je vais venir Torata avec. Oui, on va être tous spectateurs, ouais. J'ai une idée, mes poches. Oh, j'aime mon dos. Oh, le château présente trop bien. Faudra que je peaufine bien les jours prochains. Toi, Twitch a dit. Tiens, des tubes, dites. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Tiens. Qu'est-ce qu'il y a encore, toi? Alors, tu ne sais, achète le jeu, nom de Zeus. Ouais, provocateur. Bonsoir, tu me dis. Serveur Minecraft a dit, astérisque le sage de Nancy, astérisque, speech-babaloon, re, bonsoir Twinsen, émoticône riant de toutes ses dents. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Puis la symbolique. Oh bah j'arrive tout de suite. Je repense à Broforce, mais la symbolique terrible de la mort, enfin non, c'est pas la mort, c'est le diable ne peut pas mourir. Ah, c'est horrible. Donc tu... C'est où le rendez-vous? C'est chez Torota? Twinsen Twitch a dit, à 22h, les futurs jeux PC annoncés. Oh, tu te rends où, le sage, en fait? Bah, je sais pas. Là, je suis en mon château. On va attendre que Torota ait fini de manger. Et je vous rejoins. On veut déjà prendre un peu d'avance en allant chez Torota. Ah bah non, t'es loin, le temps que t'ailles chez lui. Ah, moi, oui, il va me falloir 10 minutes avant d'arriver. Bah on va chez Torota ou pas? Tout de suite. Je pense que c'est une bonne idée. Rends-toi chez Torota, okay. Je vous y rejoindrai. Oui. Je vais chercher des rails, parce que j'ai besoin de rails, parce que je sais qu'à un endroit, il faut que je refasse des trucs. Mm-hmm. Et je prends des écriteaux aussi. Si je prends le rail... Moi, je vais laisser ça là. Il faudra que je me fasse un bac à virus du Nether dans le château. Alors, les rails sont là. Ah, potion de respiration aquatique. Je suis trop content d'en avoir. Ah, je suis en joie. Je suis c'est trop bien. Là, je dirais les propulsions qui ont disparu. Bon, c'est pas grave. Les pancartes. Alors, j'ai recyclé plein d'armures et récupéré des enchantements sur les armures. Mais il y a des sacrés... Certaines armures, c'est juste une pépite de fer ou une pépite d'or. Bon, après, c'est ça qui me fait rien, mais bon... Mmh. Je vais me ranger tout retard.
Ou attends, non, non, je vais pas faire ça. Je me rends chez toi, le sage. Je te rejoins de chez toi. Ah bon? Oui, parce que tu pars du château. Exactement, oui. Et je vais aller directement au château, on va faire le chemin ensemble. Ah d'accord. Par contre, je fais une bêtise. Il faudrait que je reprenne mon casque normal. D'ailleurs, il a pris cher le casque en or dans les enfers. C'est vrai que je me suis pris des coups. Je m'étais fait allumer par Et les je vais voir Blaze. où est installé de plus près. Hop là. Comment il s'appelle? Paranskai, qui a dit qu'il y avait un village que tu t'étais approprié ou je sais plus quoi. Oui, le village qui est au bord des neiges et bah, le lieu qu'il a revendiqué à Couillère. 2700. Couillère, Non, pas couillère. Kouyère, Dragon Sky. Mais Dragon Dragon Sky, Sky. j'ai vérifié ses coordonnées, du moins les Oui, premières. Il a oui, oui. corrigé depuis? Non, je vais voir ce qu'il a commencé à construire. Et je veux savoir où c'est. Ah, Je me rappelle d'accord. les emplacements. Excuse-moi. D'accord. On va mettre ça sur le dos de la fatigue, hein. Ah, je sollicite de votre indulgence. Je deviens vieux. Je deviens vieux sous vos yeux, un peu plus chaque jour. C'est moche. Le jour qui passe, nous vieillissons un peu plus. Eh oui, c'est ainsi. Il casse Mais les murs. ça me rappelle Poupon, mon Dieu, il m'a mis mal à l'aise Poupon quand il s'est retrouvé complètement naze, bouffé par son diabète là jeudi soir chez Allo, enfin Bah, il a chez fait un. Lynch. Oui. Il a fait un. Bah oui, il a fait un boulot de ouf à la terrasse là. T'as vu, ça prend de l'énergie, hein. Donc, alors, Oui. quoi, le diabète, c'est des fois t'es en hypoglycémie, des fois t'es en hyperglycémie. Oui, enfin C'est ouais, c'est chiant, hein. l'horreur. Oui, c'est l'horreur. C'est C'est moi chiant. qui souffre de ma sinusite plus ou moins chronique. Ouais. Et là, je suis content d'avoir bien récupéré ce matin parce que j'ai. Moi, sorti du bureau de vote, je vous avoue que j'ai eu un doute. Hein. Je dis, mais je diffuse ou je diffuse pas là? Parce que je me sentais vraiment pas bien quand je suis rentré chez moi. Ouais. Bref, heureusement, c'est passé. Mince, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, Poupon m'avait fait peur avec le coup. Vraiment, il était pas bien quand, en direct, là, quand il a dit excusez-moi. Il avait une voix, mais vraiment. On aurait dit le jouet dont il fallait urgemment changer les piles, quoi. C'est ouf! Le jouer comparé au pauvre Patronta, pauvre oui. Il me sert pour jouer à Allo, hein, s'il vient pas, bah, je peux plus jouer. Ouais, bah ouais. Non, c'est une plaisanterie. Donc ta couillère, Nayonet? Non, je suis pas chez Couillère, non, je viens pas de chez Cristela, je viens de chez moi. Oui, mais tu veux voir ce qu'a fait. Non, je vais voir ce qu'a fait Dragon Sky. Oui, Dragon Sky à Couillère. Parce que l'endroit s'appelle Couillère, pour ton information. Ah, ok, au lieu Couillère, mais Couillère, c'est pas là, c'est un autre emplacement. Tu confonds là, t'as mélangé les coordonnées. Ah, tu C'est près de la m'étonnes. neige, le truc que je t'ai donné. Bah, moi, Couillère, j'estime que c'est proche de la neige. Alors attends, C'est je vais te faire bizarre. un imprimé écran. Si tu Hop. veux. Alors, pardon de te solliciter autant, mais au moins, oui, tu as raison. On va être. Bon, déjà, je regarde où je suis. Merde, merde, merde. Attends, faut que je me décroche. Ah, attends, déjà, je vais descendre du wagon quand ça sera bon. Je t'envoie l'écran. Et ce que je vais regarder, c'est ça, en fait. Ce que Dragonxa a revendiqué. Et je pense pas que ce soit le village de Couillère. Parce que le village de D'accord. Couillère est en haut. Bah, si tu veux, le village de Couillère, c'est là où il y a eu des champs, un parc à vaches et une porte des enfers sur le rivage. C'est là, Couillère. Laisse-moi descendre du wagon. Mais oh putain, près d'un mur, putain. Ouf! Ok, c'est. Il a dit 2077. Attends, je vérifie. Je suis allé trop loin. Bon, c'est pas grave. Je suis allé là, et donc il a encore rien fait, Dragon Sky. J'ai fait l'écran, un frame écran, et je vais te l'envoyer directement en MP. Ouais, je veux bien. Enfin, le lieu qu'a revendiqué. Je ne mets pas en MP. Minecraft Gallery. Est-ce que depuis la voie rapide, je peux le voir?
N'oublions pas que c'est le village là. Dans Minecraft Galerie. Ouais, je regardais. Merci, Nayone. Merci, Nayone. Nayone de Nancy a dit lieu revendiqué par Dragon du Ciel. Mais c'est ça en fait. Oui, t'as pas les coordonnées, tu t'es planté. Ah. C'est... C'est un village à côté de la neige. Alors attends, je vais reconsulter la carte 3D. Effectivement. Voilà, il a pas fait de connexion. Il a pas fait de connexion pour l'instant. Ouais, non, mais il a raison. Il peut être très volatile. Hein. Il peut avoir décidé de s'installer là et puis dans un mois il aura oublié quoi. Oui, c'est exact. C'est rigoureusement exact. Donc j'ai pas envie de faire de connexion tout de suite. Ah ouais. Ah oui, il peut s'installer là, c'est revendiqué par... c'est revendiqué encore par moins de personnes. Ah oui, c'est pas le même village, oui, effectivement. D'accord. Bien vu, Nayone. Bien vu. Ah, c'est les coordonnées qu'il m'a données. Hein. Dans la fâche. Il y a une énorme grotte brèche à côté, là. Mais s'il va à Couillère, attends. Parce que Couillère... D'accord. Oui, parce que les coordonnées, pense. C'est ta portion de rail à toi. Oui, c'est ma portion de rail à moi. Voilà pourquoi j'avais pas le. Oui, il peut s'installer là. Il peut même déclarer que la vallée est toute à lui. Mais moi, je voulais voir s'il avait besoin de faire une connexion pour lui. Mais s'il vient comme ça, il a pris une décision bêtement et qu'il la suit pas. On verra. Parce que je le ferai plus tard. Hein, parce que je vais pas faire une connexion d'ouverture où il y a des. Ouais. S'il y a personne. Merci de tes lumières, Nayone. Effectivement, j'étais. Dans les choux. Exactement, ouais. Bon, de toute façon, j'arrive. J'arrive à ton château. Enfin, j'arrive à l'intersection. Je t'attendrai à l'intersection. Oui, je vais te rejoindre. Attends. Que je clique là où il faut. Alors, attendez. On est d'accord que mon truc enregistre toujours la bonne... Oui. Non, mais lâche. Merci. Oh, c'est pas terminé, c'est rail le sage. C'est pas bien. Ah bon, parce qu'il risque d'avoir des accidents. Bah, le problème, c'est que si on arrive dans les deux sens, bing. Ah, le problème, c'est qu'il te faut du fer. Mais je crois que t'en as récupéré un max du fer. J'en ai piqué aussi. J'en ai encore récupéré un peu hier. Surtout hier, mon gros casse du siècle, là, c'est que je suis revenu des mines quasiment avec l'intégralité du... Sans déconner, à 6 cases près. J'avais que des... Le de fer. Minerai de fer. L'autre métal. L'orange. L'or. Cuivre. Non, le cuivre, merci. Cuivre, ouais. Le cuivre, là, je m'en suis mis plein les fouilles hier. Mais alors... Est-ce que je te vois arriver là-bas? Et non, puisque je suis dans ton dos. Puisque j'avais dit que j'étais à Couillère. Ah! Eh oui. Alors donc, t'aimes bien, hein, c'est joli, hein. J'ai ouais, fait. C'est rigolo hein, le visage. On s'est fait manger. Joli le visage. Je sais pas. Alors où est-ce que je me suis planté pour qu'il se plante comme ça Ben je sais pas. Je sais pas. Parce que pour moi, t'as... c'est rigoureusement exact ton truc. Ouais. Tu as très bien fait ton visage. Mais le visage là-bas est un peu. Parce qu'en fait, l'intersection là-bas, elle est pas pile poil croix. C'est vraiment un truc décalé. Du coup, ça fait un. Bon, je décolle. Et ça fait forcément un décalage au niveau des panneaux, et puis tu peux te perdre. Mais j'ai l'impression qu'il prend un truc, qu'il lit un truc, qu'il avance, il pense à autre chose, et puis il va ailleurs, et puis il regarde plus les panneaux. Je crois qu'il s'est planté, en fait. Peut-être. Parce que là, je viens de dire, mais je vois pas où est l'erreur que j'ai faite. Si à un moment, je vais te montrer un truc, mais j'ai pas réussi à mettre les flèches comme je voulais, ça l'a peut-être perturbé. Et re. Allez, on arrive chez toi, Torota. Oui, si vous voulez. Ok, bon, on arrive chez toi, on est en train. Là, on va aller à l'auberge de Christella. Ouais, dans 10 minutes, on va checker. On va checker les panneaux un peu, si tu veux bien, le sage, et ensuite ouais, tu peux. Ah ouais, prendre. Vous êtes l'auberge de Christella. On bientôt, y arrive bientôt. Seulement. On y arrive, ouais. On a Couillère, exactement. Attendez-moi là-bas. Ok, ah, on t'attend là-bas. On t'attend là-bas. Ok. Veux. Hop là, je me connecte. Ah, je sais pourquoi. Parce que tu m'avais demandé des coordonnées dans les enfers et c'est là où j'avais pris les enfers tout à l'heure. C'était dans ton épée plantée dans le sol.
J'ai pas d'or sur moi, j'ai pas d'objet en or si je dois aller en enfer. Ah merde. Ah, je t'inquiète pas, Tu peux en prendre un s'il te plaît pour moi. Ah non, Damien, attention à gauche. J'arrive. Serveur Minecraft. C'est un plastron ou une connerie comme ça. Toc. Alors, ouais, je savais qu'il fallait que je prenne. Je pensais pas qu'on allait dans les enfers, je me suis dit je vais m'équiper, mais en fait j'avais pas tout. Donc je me suis connecté et j'arrive dans le... j'arrive à l'auberge. Non mais désolé les... Il y a des mobs, faut se coucher ou pas le Torota? Vous pouvez si vous voulez, oui. On descend du rail. Moi je descends. De toute façon, si vous allez à l'auberge de Tristella, vous avez un lit. C'est bon, c'est passé. J'arrive. Je suis descendu, c'est bon. Est-ce que je remonte? Ouais, je suis dans le bon sens. Dans le bon sens. Après, je vous poserai une question. Bon, donc tout le monde a la réponse. Hein. Quel est ton nom? Donc, tu peux me dire là si tu... Enfin... Le sage, attention. Ah, tu m'en demandes plus. Pardon. Alors, j'ai indiqué le panneau, et c'est le panneau qui me perturbe, c'est celui-là. Château Lesdienne tout droit, plateau de la ligne, Bella Sabla, les flèches, elles portent à confusion. Je suis à l'auberge. Attends, je vais faire un truc. Mais non, mais c'est très bien ce que t'as fait. Bah, c'est logique, Dayonet. Ta flèche, elle est sur trois lignes pour les directions qu'elle indique sur trois lignes. Et la dernière, elle correspond à... Non, mais c'est parfait. Elle était totalement logique, hein, il n'y a pas de souci. Bah oui, tu peux pas faire mieux, Dayonet. Je suis derrière vous, messieurs. Je suis derrière vous. Oui, oui, merci. Attends, je relis ce qu'a fait Dayonet, mais pour moi, c'est parfait. Non, non, franchement. Non, mais c'est excuse-moi, mais c'est Dragon qui est pas doué. Oui. Non, t'as rien à te reprocher. Au contraire, Nayonet, tu devrais être couvert d'honneur. Couvert d'or, surtout. Et, ouais. Allez. Hop là. Ok. La petite question dont vous allez me répondre 7 minutes, c'est le trajet entre ici et chez toi. Ça, c'est ça. Chrono en main, tu m'as dit. Ah, j'ai compris. Je viens de comprendre. Oui, pardon. J'avais peur, j'avais une vision. Je voyais le chien qui était en train de te renifler l'arrière-train, mon cher Torota. C'était gênant. C'est ce que t'as inventé un truc génial, Torota. Ça y est, je vois tout de suite ce que t'as fait. Donc, t'as dit, le seul jeu que entre ici et chez toi, c'était 7 minutes. Oui, mais attention. Non, les 7 minutes comptabilisées, c'est entre ici et Balassabla, pas mon château. Oui, non, on est bien d'accord. Venez. D'ici au château, je dirais 4 minutes. Je vois ce que tu as créé. Est-ce que tu as un truc sur toi? Je me doute. Alors attends, passer chez Christella. Oui. Qu'est-ce que tu nous réserves? Alors attends, il faut que je... est-ce que vous avez tous les deux un wagonnet ou pas du tout? Oui, wow. J'aime bien. Je suis passé sur le dos de quelqu'un, mais regardez où je suis. J'allais tomber dans le vide. Ah oui, oui. Ouais. La vache. Pas de fer ici. Avec tout ce qu'elle a. Mais pourquoi il n'y a pas de barrière ici? C'est dangereux. J'ai combien wow. en fer? J'ai que deux en fer. J'ai du fer avec moi. Non, j'ai pas de fer. Je peux pas faire de don, j'ai déjà tout dépensé. Oui, il a plus de fric, le pauvre. J'ai pas dépensé, j'ai déjà fait le don. Oui, bah oui. Bah attends, je vérifie. Non, je l'ai fait à midi, le don. Ah, ça c'est con, ça. Est-ce que... Ah. Bon. Allez, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que vous... On va descendre quand même, c'est pas grave. Oui. Oui. Hop, on va passer par là. Oui. Oh merde. Oui. Ah. Une petite faiblesse de porte.
Oui. Bon, c'est pas grand-chose hein, ce que j'ai fait, mais bon. Je préfère parler aux enfants. Je suis pas équipé d'or, en fait. T'es pas équipé d'or, attends. Tiens. Le sage non plus, d'ailleurs. Oh, mais c'est Merci. pas longtemps. Je te prête le mien. D'accord. De toute façon, ça sera rapide. Donc, je suis. Hein. Ah. Attends, je mets mon arc et mes flèches. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, il a vu ce trouble. Hop, Ça va Ça où va aller où? voir? Hop, eh ben tiens, Nayoné, attends. Attends, mais comment Hop. t'as fait? Je Oui. reconnais déjà plus le portail que j'ai emprunté ce Mais matin. oui, parce que Ah! j'ai fait d'autres petits travaux. Et bien, J'ai du cuve coup, de magma. avec Oui, vos. on peut. Avec. Allez-y. D'accord. Let's Oh, go. j'ai un wagon. Attends, je pousse le Ah! sage. Merci. Et là. Ah! Moi, je vous attends ici. Le meurtre parfait, c'est. Donc là, eh ben, on va y arriver en. Oh la vache. C'est ce que t'as fait ton retard en construction? Ouais. Non. T'as fait Est-ce que la t'as compris, jonction. Serge? Ouais, t'as compris. Bah, il a fait une jonction, je crois. Il a fait un Ah, raccourci. eh oui, c'est la logique du trou de ver dans l'espace. C'est un saut de puce d'une galaxie à l'autre, presque. Oh la vache. Oui, si on peut pas se téléporter dans le même monde avec le portail des Ender, on peut le faire à travers deux mondes Oh la différents. ruse. Ouais. Alors, en revanche, j'ai jamais compris vache. pourquoi les portails de l'Ender, on n'arrivait pas au même endroit à chaque fois. Non, je voulais pas descendre! Ah. Il faut descendre. Non, j'ai dit descendre, non, j'ai dit de la merde. Et là, Non, je non, j'ai. suis Je vais descendre. dans le crâne. Oh! Bravo! Effectivement, je suis rentré dans le crâne. Je suis à Bella Sabla. Waouh, c'est redoutable. Ah, Nayonet, t'es apparu. Il y avait un monstre en plus. Bah, ok. Bah, Ouf. super. Bien, Torota. Et je crois qu'il va faire. Je te parie que Torota va faire encore plus court pour la prochaine fois. Oh mon Non, Dieu. non. Ah. Non, dans une semaine, tu reviens dans les enfers et tu vois qu'en fait, Torota aura voué un culte à Satan. Non, non, Dans non, son c'est pas mon modèle truc. de Broforce. En revanche, moi, si je veux faire un portail de l'Ender, ça va popper n'importe où, c'est ça? Ça dépend de la zone. Parce que si tu fais deux portails à côté, ça te mettra à côté, ça te fait apparaître au même point. Il faut D'accord. vraiment que tu sois assez éloigné pour réapparaître. Même D'accord. là, tu as bien vu, entre l'auberge et Bella Sabla, pourtant c'est très loin, mais via. L'Ender, c'est plus rapide. Donc toute ta voie ferrée, le sage, bah, tu pourras la détruire. Oh, Mais le alors, vilain. justement, non, Ah. parce que je trouvais ça bien dans le sens où, mais pour ceux qui veulent se faire une pause, aller se faire un café, un truc comme ça, ils prennent la grande voie. Pour ceux qui veulent aller vite, ils passent par là, tout simplement. Non, non, une pause de D'accord. pipi, repas ou un truc comme ça. Mais... Bah, Torota, on revient avec toi ou pas? Ouais. On fait le chemin inverse. Oui. D'accord. À terme, n'oubliez pas que la dorsale, donc qui est la voie de 7 minutes bien longue, alors moi je vous cache pas que je la prends régulièrement parce que le paysage est magnifique à défiler. Hein. Et effectivement, ça permet de se prendre une pause, de répondre dans le chat ou je sais pas quoi, ou prendre un café comme tu dis. Même en été, quand il y aura canicule, ce sera l'occasion pour moi de prendre une douche express, sans déconner. Et bref, Bon, le sage ou pas? moi je suis du côté des enfers, oui. Je fais quoi? Est-ce que Genre. t'as un wagon? Est-ce que t'as un wagon? Ah oui, je l'ai en main. D'accord, très bien. N'oubliez pas donc qu'à terme, il y aura des arrêts. Oui. Alors, je sais pas si on aura d'ici là trouvé une ruse pour permettre un simple ralentissement et pas un arrêt complet sur les stations intermédiaires. Ce serait génial en fait de trouver un bon compromis. Mais Mais le truc c'est que Nash a fait deux voies en fait, une voie qui est directe et une voie avec des arrêts.
Alors, s'il a rusé, c'est une approche, c'est une norme qui est tout à fait respectable. Moi, je le vois pas comme ça. Je voyais plus l'intérêt de faire une voie à chacune dans un sens pour éviter de se télescoper, évidemment. Parce que là, c'est encore pire. Parce que moi, ce que je pensais pour que ça soit quand même plus facile, parce que pour s'arrêter de chaque côté, enfin de chaque côté, si vous voulez vous arrêter sans faire un détour, un truc par les rails, juste faire un interrupteur sur un rail d'accélération, comme vous l'éteignez, comme ça, si vous voulez descendre, mais c'est éteint, donc vous descendez, vous enlevez le wagonnet. Si vous voulez continuer, vous activez le bouton, le rail, et vous continuez. Le truc, c'est activer au vol. L'intérêt, c'est justement, moi, je trouve, c'est plutôt d'avancer sur des arbres qui te ralentissent un maximum pendant, je sais pas, une section de 5. Ça te donne le temps de réfléchir et de descendre et de récupérer ton wagon rapidement. Tandis que là, appuyer sur l'interrupteur, faut être rapide. Il faut avoir le réflexe et tout le monde ne l'a pas. Bah non, parce non, que justement. Parce que c'est, tu appuies si tu te relances à l'arrêt suivant. Ah, donc si okay, tu réagis oui, pas, tu vas naturellement t'arrêter à ta station souhaitée. Ah, ça c'est intéressant. Ça qui est malin. Ah, j'ai pas compris. Mais non, mais Torota, okay. Je donne totalement raison à Torota. Il décrypte très bien la logique de Minecraft. Torota, je te donne, je te rends ton armure. Merci. Hop, effectivement, je crois qu'on va faire ainsi. Ça va direct à l'essentiel. Tu vas te récupérer le wagonnet, par contre. On a yonné. Ah oui, pardon, oui. Tiens. Merci. Bon, alors, du coup, pour celui qui veut... Attends. Hop, pour celui qui veut... Toc. Oh, volontiers. Hâte de les récupérer. Je les ai tous défoncés. Hop là. Attends, t'en veux un peu, le sage? Ah bah tiens, il y en a pour toi. Pardon, Oh, merci. Des gelées. Oh, punaise, tu nous gâtes. Merci, Torota. Ah, mais je les défonce tous. Ah non, mais je vois ça. Je vais en faire des potions avec ça. Voyager. Ah. Oui. Ok, moi, il faudrait que je récupère... Alors, j'aimerais bien faire des briques rouges de Nézaract. Ah, bien joué. Ah, les briques rouges, ouais. Alors non, sortez pas trop, parce que justement... Oui, j'ai pas d'or. Non, c'est pas par rapport à ça, c'est juste par rapport... comment il s'appelle lui, Auguste. Ah oui. D'accord. C'est pour ça que j'ai fermé. C'est pour pas qu'il nous voit et qu'il fasse tout péter. Eh oui. Tu m'étonnes. Ah oui. Si je me fais une question, si je me fais une porte des enfers, est-ce que ça va popper là au pif? Comment non, ça en général, c'est que c'est calculé selon la distance. Okay. Entre nous, c'est peut-être loin, mais si tu apparais, ça risque d'être un peu plus près. Je peux retourner. Oui, pardon, je pensais pas que vous me suiviez. Ouais. Donc, du coup, mais ça te fera popper à un autre endroit, effectivement. Ça, y a pas de souci. Il a bien avancé, Nashi. Possède toute l'Aquitaine et un peu plus, même tout l'Ouest. J'ai dû m'en poser la question. Peux-tu me prêter? Donc voilà. Car si vous voulez aller un peu plus vite, maintenant vous savez par où passer. Merci, Torota. Parce que je sais que pour certains, c'est pas forcément évident de faire cette minute de rail. Et au moins, vous arrivez directement en Bella Sabla, donc ça fait gagner du temps de trajet. Il n'y a personne qui regarde le live de Nash, mais c'est bien comme jeu. Il fait quoi comme jeu? Il fait un Total War. Le Rome 2. Rome 2, Total War. Total War Rome 2. C'est un jeu de guerre où tu as du tour par tour et du temps réel. Bataille temps réel et puis de la stratégie un peu de la civilisation. Et des batailles à la... Kick, c'est très compliqué. Kick, c'est ah oui. Pour les jeux de casino, des trucs comme ça.
Oui, non, mais c'est un jeu compliqué ce qu'il fait. Mais quoique celui-là, du Total War, il est quand même, comme il est sur deux domaines, en bataille temps réel et en gestion économique, c'est pas poussé chaque truc. C'est juste que c'est même plus simple qu'un repas universaliste ou qu'un je ne sais quel autre jeu de. Ah oui, StarCraft. Mais voilà. Bon, j'ai coupé une flèche, comme ça rend mieux. Oui, bah J'ai merci mis. Toranta, Ça vous dit? bravo. Ouais, merci beaucoup, Tanda. Ça vous dit De d'aller au bout rien. du monde, voir ce que j'ai fait? Bon, Ah, il t'as n'y a fait pas quelque chose? grand-chose. Moi, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai fait un petit truc. Alors, déjà, je vais faire un truc. Je vais faire un arrangement de... Attendez, attendez. Je prends Allez, le tu page. vas. Allez, là, on va l'embarquer. Je coupe la voix pour mettre des railleurs. Ah, bah, j'ai coupé la voix. Hein. T'inquiète pas, allez. J'arrive. Aïe! Pas fait grand À chose, mais c'est marrant. tout de Excusez-moi. suite! Ah, salut, amusez-vous bien. Ah, Mais en ici fait, aussi. c'est là où on apprend qu'il a piégé la voix. Il a mis un stack de TNT C'est ça. sous le pont. Tu roules sur le déclencheur. Vous attendez pas à quelque chose de fantastique comme a fait tout retard, mais c'est pour indiquer, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir Oh mon Dieu. une idée. Elle est horrible, l'idée. Non, mais j'ai loupé le départ. Putain, cinq trucs et je me suis quand même viandé. Non. Une idée de malade. On arrive avec vous, hein. Ah oui, il va falloir que Ouf. j'ai hop là. Merci. Il a Qu'est-ce vu quoi qu'il l'animal là? Je suis en chemin, je vais vous rejoindre. Oui. Là, il faut continuer vraiment au bout. Bah, j'ai mis un truc au bout, c'est pas Non, grand-chose, mais non. j'ai mis un petit truc. Ah, ça y est, je te vois arriver. Tu vois arriver? Oui, j'utilise une lunette. Avec la Ah. longue vue, je vois ton chariot et tu vas m'apparaître sous peu. Ouais. Voilà. Bah, j'ai mis un truc. Bah, j'ai mis des pancartes. Je me dis, c'est le Oh. bout du monde. Attends. Bien joué. Et un petit truc. Pas grand-chose, mais. Bon, bravo. Voilà. Pancarte du bout du monde. J'ai envie de le faire là. Tu veux faire quoi, la blague? Tu veux de la TNT? Oh, c'est trop bien. C'est stylé. Il l'a Ouf. ramassé du coup ton truc. Oui, Ouais, tu à peux aller chaque fois je récupérer là. retire au moment où vous le ramassez, c'est la folie. Ton tac, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il est parti. Non, non, je regardais parce qu'il y avait le wagonnet qui était Vous êtes au bout du dans le monde. bloc. Toute Non, direction. mais Et de l'autre bah, à côté, terme, c'est si le je ferai un chemin. quai, je ferai un quai avec un point panoramique. Parce que c'est magnifique l'endroit, c'est vraiment une côte. On se croirait presque en Angleterre, là, au Royaume-Uni. Et regardez de l'autre côté, quand vous allez dans l'autre sens, bah forcément, il y a marqué un panneau qui indique Non, mais évidemment. en fait, le truc que je voulais faire, mais Oui. bon, je ne sais pas si je le ferai, mais comme tu dis qu'ici, c'est le bout du monde, Oui. je crois l'idée, c'était de faire un énorme trou qui descendait vraiment, vraiment bas. Et Arrête tu pour dis, pulser. ici, c'est le trou du cul du monde. Et Oh! t'arrives dans le bip. Dans le t'arrives au bout, tu t'es propulsé avec dans ton chariot, tu te pètes la gueule dans le trou, quoi. Quelle drôle d'idée. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah c'est bien. Il n'y a plus de rail, t'es propulsé. Vous êtes au bout du monde. Il y a plusieurs bouts. Non, mais c'est très bien. À la limite, je pense que tu pourrais mettre les panneaux roses plutôt de cerisier parce que tu peux faire des écrits recto et verso. Ah oui. Ah d'accord, attends, dans ce cas-là, Je
j'ai pas, j'en ai pas sur moi de bois de cerisier, mais effectivement, tu pourras le faire. Voilà, j'ai posé une question de l'autre côté. Voilà, j'ai comme tu m'as dit. Et de l'autre côté du panneau, j'écris un truc. Ah, voilà. Y a-t-il de l'autre bout du monde avec lui, là, okay. Qu'est-ce que je pense des pères? On n'a pas de bateau, ça part de la terre. Il faudrait que je me ramène des lamas sauvages. Je vais regarder un truc, le sage, pour voir si tu as fait quelque chose comme moi. J'ai construit la voie. Attends, on va creuser là. J'ai pas de lamas sauvages. Je vais creuser là, j'espère qu'il n'y a pas de trou. Je sais pas comment je vais pouvoir le faire. Pour reproduire des lamas, tout ça. Bon, je repars, excusez-moi. Mais génial, merci. Moi, je vais retourner en mon château. Mon château. Ouais, je vais poser des vitres. J'ai des vitres à poser aux étages intermédiaires. Qu'est-ce que t'es passé de Tolota? Ouais, moi, je suis reparti également. Dans l'Ender Par le portail. Parce qu'il y a un portail du l'Ender, en fait. Vous l'avez vu ou pas? Oui, je l'avais visionné une fois, oui. Ah! Comment ça? Ah. Non, je regarde dans les yeux l'Underman. Oh oh! Et tiens, si tu le tapes. Oh, t'avais fait une blague de regarder un Underman et te barrer en chariot et il te coursait à la même vitesse. C'était trop flippant. Tu te souviens? Oui. Ah. C'est dommage parce que si j'aurais pu le faire en même. Ce truc, mais je l'ai pas fait. Oui, en gif animé, ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais, je décolle. C'est vrai. Mais là, je l'ai regardé comme on était dans le tunnel, il peut pas apparaître, donc du coup, il peut rien faire. Mmh. Et il est tout sage. Mais on avait enregistré la séquence, c'était pas lors d'un direct, ça? Si. Ah, ça se retrouve et on peut faire. Il est équipé, t'inquiète pas. Ouais. Faut retrouver la date, mais c'est pas perdu. On pourrait encore en faire un gif animé alors. J'ai le dos qui me démange, punaise. Ah, je suis arrivé. Pourquoi il y a un... Attends, c'est coupé, je vais... Le sage, est-ce que tu me permets? Au niveau de la coupure du rail, à un moment donné, entre le bout du monde et la question de Cristella, il faut mettre des rails. Tu peux le faire ou pas? Alors, le souci, c'est que tu verras que sur le côté, à un moment, il y a une petite sortie. Le vitrage est volontairement pas complété. Ah, oui, ok, c'est fait exprès. Il y a des coffres. Mais oui, c'est dans l'idée de faire un arrêt. Ok, donc je laisse. Ouais, vaut mieux. Pour le moment, merci, mais vaut mieux. Parce que là, quasiment personne n'utilise cette portion de voie-là, puisqu'il n'y a encore rien. C'est juste moi qui avais anticipé d'aller jusqu'à la côte du continent. Et ça faisait toujours de la surface à explorer, et il faut en profiter, quoi, à terme. Donc, non, vaut mieux pas toucher, laisser tel quel, parce que si je fais des arrêts... Je me demande si je vais pas faire ce que dit Torta. Le coup, je vais passer la nuit si vous voulez. De l'arrêt automatique. Oui, l'arrêt. Ouais. J'ai compris ce que a signifié Torta et c'est. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Vraiment, c'est. Ça va à l'essentiel. C'est simple à mettre en place. Les chevaux gris. Si tu te manifestes pas, t'es à l'arrêt. Si tu te manifestes, c'est bien, tu continues ton voyage.
ça se tient. Et puis tu, pour faire les deux clics, c'est plus rapide hein, quand t'es arrêté, donc ouais. Du coup... Il faudrait civiliser et pacifier à terme Minecraft. Enfin, ta map du séjour. Il y a encore des blocs de magma, non? Ah non, ils sont juste au-dessus. Ok. Et hop là. Ouais, non, là je suis motivé avant même d'ailleurs de poser des carreaux dans mon château. Je vais faire mon parc de repiquage de verrues du Nether. Que je sois autonome. Et une champignonnière. Il faut absolument que je fasse des champignonnières dans les jours à venir là dans Minecraft, un peu partout. Que je sois en totale autonomie et tout le monde puisse bénéficier enfin de la chimie, l'alchimie, les doigts dans le nez avec une aisance déconcertante. Ah ouais, c'est vachement motivant, c'est cool. Bien joué, bien joué. Oh ! D'accord, je savais même pas que... D'accord. En fait, je sature en wagonnet, je sais plus où les ranger. C'est beau la richesse. Mon distributeur de wagonnet est blindé, il y a les 9 wagonnets dedans, je peux plus en rajouter. Pourquoi je suis passé par là? C'est une très bonne question. Du coup, je sais même pas ce que je vais faire là en construction maintenant. Comment je peux simplifier un truc Elle a pas fait de ça, ce Christ là, ok. Où est-ce que je vais? Je vais. Oh, c'était pas ça que je... Ah, c'est... Non, c'est bon, je l'ai fait. Je l'essaye. Et puis, t'as ta tour démentielle à continuer, Torota, là, ton truc pyramidal à étage. Alors, oui, mais pas pour l'instant, mais comme j'ai la sonde et que je suis... ça fatigue, j'ai pas envie de me faire... Oui, je comprends. Ouais. Ben surtout que là, en plus, là, je suis... je me suis couché vraiment très très tard. Ouf. Que j'aurais pas dû. Donc du coup, j'accuse un peu le compte. Ah oui, je compte soi. Mais bon, oui, effectivement, je faut que je le fasse. J'ai oublié de me faire des steaks. Ben oui, mais j'ai pas de vache. J'en ai qu'une et. Ouf. C'est incroyable. Oui. Le marchand avec ses 4 lamas. Les 4 le suivent. Je veux faire ça. Est-ce que je peux lui. Attends, on va faire un truc. Allez. Reviens, le marchand. Tiens, je t'en donne de suivre le stream. Tiens. Le stream est en même temps, regarde, discuter. Ben... Oh, il a cassé des maisons. Il casse des maisons, Nash. Il casse tout. Il cache les maisons. Voilà, allez, vous avez le marchand. Maintenant, le marchand, il a 6 lamas. Le marchand. Voilà. Oh, Dieu. Oui, la folie. 6 lamas, le marchand. Ah, il est heureux, là. Ah. Il peut revendre des lamas, le con. Je rigole tout seul de ma bêtise.
Ah ouais, mais il faudrait que j'aille dans une montagne. Ouais, il faut que je me lance dans le projet de faire des échafauds pour ceux qui. Parce qu'au point zéro, tu as tout indiqué, mais j'avais dit que je faisais un truc à chevaux. Comme ça, quand les gens ils sont, hop, ils sont morts et qu'ils ont oublié de mettre le point de spawn, qui revient au point zéro, bah hop, ils ont un cheval de disponible gratos. Je ne sais pas comment on peut faire pour prendre des photos pour le. Alors attends, si je vais faire ça sur mon téléphone et puis je vais le retransmettre sur. Le dialogue, ça change de Zelda, dit Chrysella. Il a dit fils de pute le jeu. Oh! Il a dit fils de putain quand il était à côté du soldat. Quand il Ah bah était en zoom d'accord, à côté du bravo. soldat, ouais. C'est Ouais. élégant. Tiens, attends, c'est bizarre. Je veux tester un truc. Ah ouais! Wow! Le jeu est complètement fou. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Wow. Bon, en fait, pour expliquer, le marchand, il avait les Sidamas. Sauf que maintenant, il a perdu le lama avec sa laisse. Je me suis dit, bon, ben, je prends la laisse, je prends un lama et je vais tenter une expérience. Et effectivement, j'ai pris le lama donc avec la laisse et j'ai avancé de quelques pas. Tous les autres lamas suivent le lama que j'ai avec la laisse. Tous. Oh. Disparu. Non, ils n'ont pas disparu. Ils nous suivent. Ils me Hein? suivent tous. Ok. Du coup, t'as adopté dès là-bas. J'ai adopté des. Ouais, mais attends. Alors, ce sont des lamas que je ne peux pas adopter dans le sens où ils appartenaient aux marchands. C'est pas comme ce qu'a Christella de son côté. D'accord. Parce que ça appartient aux marchands. Tu veux? D'argent. Donc c'est pour ça, il faudrait que j'aille en montagne récupérer de la lama. Ouais, et j'en ai repéré des là-bas. Où est-ce que j'en ai repéré? Chez Christella, quand je suis chez Christella, sa boule de cristal. Quand est-ce Il que j'en ai faudrait repéré? que j'aille en montagne. Par contre, je ne sais pas comment les reproduire. Ah, Parce dit que, Luigi. alors là. en fait, pour savoir si le lama est sauvage ou pas, c'est par rapport à ce qu'il a sur le dos. Quand il est avec un marchand, on le reconnaît de suite avec sa tenue bleue, avec son petit épi bleu sur le dos. Mais Ouais. si il est sauvage, il est obligatoirement d'une autre couleur. Oh. Voilà. Là, le souci que j'ai, par exemple, c'est que je ne sais pas du tout s'il va me falloir une. Je ne sais pas du tout s'il va me falloir une selle ou pas. Donc, je vais m'en prendre une au cas où. J'ai pas beaucoup de nourriture. Pourquoi je Ah, m'en voilà ai mon île rasée. pas? Un peu nez, est-ce que ça te dérangerait? Si tu peux m'apporter un peu de nourriture. Je suis loin, je suis près de chez moi, je peux Non. t'apporter du bœuf, oui, je vais t'apporter des morceaux de bœuf. Parce que là, le bœuf, c'est ce que je préfère, c'est ce qui va me
C'est ce qui nous régale. Je t'en ai fait plein, j'en donne plein. Si t'es à côté du centre communautaire, j'ai fait un coffre quasi complet de bœuf disponible. Sinon, il faudra attendre un peu que j'arrive. À côté du centre communautaire. Carrément dans le centre communautaire, ouais, près du point 1-0. Ouais. Bon, mais je vais vérifier. Il y a du bœuf à presque des coffres bien remplis. Et voilà, donc tu peux te servir allègrement, c'est fait pour. Et je vais aller direction chez Christella. Mais ouais, tu peux apporter du bœuf ultérieurement aussi, mais il y en a qui est disponible là. Bah écoute, non. T'es où là exactement? Là, je vais aller dans le Nether parce que je vais aller dans le... à l'auberge de Cristalla. D'accord. Je vais attendre chercher du bœuf, je vais t'en donner. Ouais, j'ai du mal à passer la porte. Hop. T'as vu combien de stacks? Alors là, pour l'instant, comme j'ai pas de... Comme j'ai pas 10. De vache de reproduction, donc je du t'en, coup, t'en donne 10. Si tu veux, t'en veux plus? Je t'en filais plus aussi, mais tu vas être vraiment tranquille avec tout ce que, avec tout ça, avec 10 stacks. Ah, moi je croyais que 10 stacks, 10 stacks, d'accord, ok. 10 stacks. Alors, ah non, 10 stacks, oui, t'en évidemment. Veux 640 ou t'en veux? J'arrive, hein. Il est très généreux, Nayonet, par nature. Oui, non, mais je regarde. Ah, t'es distinct, t'es distinct. Tu m'as donné des comment ça s'appelle des... Ah non, je vais pas te filer. Non, mais tu rigoles, je vais pas te filer que 10 stacks. C'est le radin. Le mec, il fait tout. Non, pas 10 stacks, parce que là, je vais... Uber, Nayonet, Charal, bonjour. Ouais, mais tant que c'est pas du cheval, ça me va. Non, ça c'est chez Spangero, ça. Ouais, je vais dans le, je vais, on, je vais reprendre l'auberge de Christella, ok. Je vais prendre le chemin. T'as besoin d'autre chose ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je te remercie. Et j'arrive à porter des stacks. Parce que là, il va falloir que je fasse attention. Ah oui, le sage. Oui. Est-ce que tu voulais... tu en avais parlé ce matin. Oui. Maintenant que je l'ai vu, ça me revient. Oui. Tu voulais des abeilles. Ah, moi aussi, tiens. Des abeilles. Bah... Ah, oui, potentiellement. C'est pas une priorité, mais oui. Ah, mais je peux vous les ramener. Et en plus, si vous voulez... déjà je vais aller dormir, ça serait sympa. Je vous les ramènerai, mais si vous voulez être à côté pour que je vous explique, il n'y a pas de souci. Ah. D'accord. Bah là je m'approche de. Je me refais le chemin inverse. Je vais jusqu'au à la au croisement du. C'est comment s'appelle ta montagne, le sage t'as dit? La montagne du château? Horizon. Croisement horizon, et ensuite je vais à l'auberge de Christ, c'est là. Ok, pas de je fais le même chemin. Donc je suis sur le lit de... Et merde, j'ai oublié. Quel con. Non, j'aurai pas le temps. J'irai au désert une autre fois, mais je te suis. Donc je passe une armure en or avec solidité 3 et protection et tout le tralala pour que quand je vais dans le désert, je suis protégé. Et raccommodage aussi. Oui, pas de soucis, t'inquiète. Parce que ça, j'aimerais récupérer des briques de Nézérite. De Nézéract. Et comment on fait pour faire des briques de Nézéract rouges? Parce que moi, ce que je fais, c'est Bordeaux. Les briques de Nézéract. Elles sont oui. Couleur Bordeaux. Tu peux pas les colorer. D'accord, très bien. Okay, les briques des enfers, tu peux pas les colorer. Elles sont naturellement couleur Bordeaux assez foncée. Ouais. D'accord. Ce sera suffisant. Non, pour le moment, les seules variantes de colorants, là, façon arc-en-ciel, voire potentiellement les 16 couleurs. C'est la terracotta et le béton. Alors oui, le béton, effectivement, tu peux, faut que tu fasses du béton souple, on va dire, ouais. Que tu peux enduire de texture. Et ce n'est qu'après, une fois mis dans l'eau, que la couleur ne changera plus. Mais
Tu peux faire comme ça aussi. Tac. Vie. Il y a besoin de passer la nuit ou pas? Non. Moi, je suis dans le lit. Ok, bah, je vais descendre. Après, je vais dans le lit. C'est juste que je vais... Attends, putain, le wagon, tu vas t'arrêter? Merci. Oui, en parlant de wagonnet, j'ai oublié de reposer le mien sur le rail de service. Je me trimballe avec alors que j'en ai absolument plus besoin. C'est par où que je vais. Et c'est par là. J'ai mis le wagon, je mets le lit au lieu du wagon, bah ça bouche la voie quoi. Voilà. Hop. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je sécurise la zone en fait. Je suis un crétin. J'ai pas. Non mais là, depuis 3-4 jours, je fais que des oublis. C'est des trucs simples. J'ai pas de laisse. Je veux faire des trucs, j'y pense. 2 minutes plus tard, j'oublie. Ouais. J'ai envie de taper. Se la tête contre le mur. Ouais. Ah oui, ou se mettre des claques. Paf. Ouais, non, mais je te jure, c'est vrai. Parce que je fasse des oublis comme ça que je ne faisais pas avant. Aussi nombreux soit-il. Oui, je sais pas. Bah, les soucis de santé, ça aide pas non plus. Hein. Ça fait un peu jouer sur la mémoire. Hein. Ouais. C'est pareil. Ouais. C'est problématique, quoi. Parce que ouais, c'est le truc, quoi. C'est pas de ta faute hein, si tu oublies ton retard. Est-ce que. Il faudrait que je retourne dans ma baraque. Bon, ben, je vais retourner dans la baraque. Heureusement que maintenant il y a ces rails qui sont beaucoup plus rapides. J'arrive. Ah ben si t'es là, attends que je suis là aussi. Attends, j'arrive. J'arrive au croisement de la montagne horizon. Voilà, attention, j'arrive dans pas longtemps, je vais monter, j'ai tout le chemin à faire de l'autre côté. Ah oui, ok. Salopard, j'ai regardé s'il n'y avait pas un creeper, et en fait, il a réussi à me surprendre. Ah, le mec, mais le creeper, il a dû se planquer juste derrière le sapin. J'ai failli me faire avoir en beauté, j'ai reculé au dernier moment... Dans un réflexe de survie. Malin, le creeper, il a failli m'avoir. Le salopard. Je reviens. Mon aliené. J'arrive, hein, je monte. J'arrive, je suis en direction de chez. Là, c'est bon, j'ai pris l'intersection. J'arrive. Oui, hop, là, je reviens sur. Je reviens rapidement chez moi pour récupérer ce que je veux. Ouais. Parce que sinon. Ça va me... J'arrive à la station Couillère. On va carrément faire une map avec les noms dessus. Oui, c'est prévu. Ça va venir. C'est pour ça que je vous ai parlé d'un logiciel que j'ai récemment découvert sous Linux, pour une fois que c'est pas sous Windows, qui gère les graines là de... Enfin bref, il y a de quoi faire des cartes. Je vais essayer de vous faire plusieurs cartes, en fait. Et ça fait partie de la grosse surprise que je vais vous annoncer d'ici 3 semaines, où je vais simplifier plein de trucs. Je suis en train de vous concocter... quelque chose qui devrait enthousiasmer tout le monde et attirer de la populace à l'avenir.
Et après, je crois que je ferai plus de grands chantiers parce que ça me bouffe du temps et de l'énergie. Mais au moins, j'aurai posé les bases d'une. Fondation. C'est ça, pour que la communauté. Après, je pourrais me reposer énormément sur mes lauriers et apprécier les personnes arrivant qui s'intégrera à notre groupe. Et mois après mois, année après année, on va. Je pense qu'on va, on va être, on va former un club assez nombreux. Ouais, tu vas créer le LG Club. Ah non, pardon. Ouais, mais l'idée est un peu là, quoi. Mais vraiment dans l'idée originale, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve entre bons copains, bonne ambiance. Mais je fais quand même bien qu'au niveau du jeu, que ça se féminise un peu. Parce que moi, je plains un peu la pauvre Christella, qui est adorable. Mais en fait, le fait qu'elle soit quasiment la seule représentante de la gente féminine... Lynn aussi, il y a Lynn. Lynn, elle est trop en retrait, elle est exclusive à Minecraft. Il y a Olive qui tue, que j'adore aussi, mais Olive qui tue, elle est très occupée, elle a plus vraiment de temps pour elle. C'est triste. Mais Olive qui tue, de ce que j'ai découvert d'elle, je l'adore. Je m'entends super bien avec Olive. Elle me fait délirer, elle est j'adore gentille. Son humour. Super sympa. Ah oui, elle est adorable. Je suis à l'auberge. Attends, je prends l'audit de spawn. Là, je vais reprendre ce que j'ai laissé, puis j'arrive. Mais à la porte du désert, c'est ça? Non, je suis rentré chez moi parce que je vais récupérer Du coup, je t'attends là-bas, à la porte du désert. À la porte du désert, mais si tu veux... Parce que c'est là où tu vas arriver. Parce que je suis pas chez toi là, je suis passé directement à l'auberge de Christelle. Pas de soucis, t'inquiète pas. Il n'y a pas de soucis, mon bro. Mon broyonné. Oh, ce jeu quand même, punaise. J'ai joué un bro, mais juste 5 minutes. Ouais. Je sais pas, c'est rigolo. Ouais. Là, j'arrive à. Voilà. Je t'attends à la grande épée. Pas de souci, parce que là j'étais en train de remettre en fond là ma pioche, parce que là j'avais plus de pioche. Hop, je fais ça. Est-ce que j'ai? Je passe un stand de tir avec des lumières automatisées, un interrupteur. Je fasse ça. Là, j'ai réveillé un truc, Dut. Si, ça peut se faire. Je l'ai trouvé, j'ai quelques plans, mais... Bah déjà, il y a longtemps, donc au début de Minecraft, on va dire, il y avait déjà une carte qui était populaire sur Internet, c'était une espèce de parc d'attractions. Et il y avait en fait un système de générateur de poules. Ou alors ils arrivaient à mettre les poules dans un circuit avec de l'eau. Alors je sais pas comment ils les faisaient monter à l'époque, il n'y avait pas le système ingénieux d'un sauceur. Je sais pas comment ils faisaient, mais en fait il y avait des poules qui tombaient le long d'un mur et tu pouvais t'amuser à les dégommer avec arc et flèche. C'était le but du jeu. Ou alors peut-être déjà qu'à l'époque il y avait les blocs de commande et ils avaient dit on génère toutes les secondes un poulet. Qui tombe du ciel et puis il faut le dégommer. Il y avait des trucs sacrément ingénieux. Moi, le plus dingue que j'ai vu, je vous l'avais dit récemment, c'est les gars qui ont programmé un radio réveil. Mais l'affichage digital en redstone dans Minecraft. Alors, ça fait un énorme bâtiment, mais de voir le truc qui s'écoule de minute en minute, c'est bluffant. J'arrive, je finis. Trois bois, trois bâtons. Une je bétonne. Béton. Ah si, j'en ai là. J'en ai plus. Voilà. Ah ouais, non. Lui, il y a très très longtemps la première fois à Minecraft. Ouais, je suis désolé, Nayene, je te fais attendre. Je suis désolé, je te fais attendre. Le Seigneur des Anneaux, j'aime pas ça.
Et si c'est chrétien, elle va voir, sinon c'est l'homme total war. Ah, chacun son truc. Il y a eu Warhammer 40 000. Est-ce que tu as du bois à côté, Yonni? J'ai pas de bois sur moi. Enfin, si, j'ai du bois, si, j'ai des bûches. 24 bûches de boulot. 24 de boulot. 64 bûches de boulot. 64. Bon, j'ai pas besoin d'autant. Merde. J'ai vraiment pas besoin d'autant. Bon, mais ça marche. J'ai juste besoin de remettre ça en prix, ça en prix. Ça, je le fais trier. Ça va partir au tri aussi. Ah, mais que je suis un idiot. J'aurais pas dû... Oh putain, j'ai fait un décalage d'un niveau, ça va pas. Mon truc est pas correct. J'arrive, Nayon. Excuse-moi, je te fais attendre. Ouais. Regarde le coucher de soleil, hein, c'est joli. Il y a peut-être un lit au pied du coin zen. Oui, il y en a deux. Bah, il n'y a pas de lit. Moi, je dis sur les lits. Ah, il n'y a pas de lit. Et non, c'est des bancs. C'est des bancs. C'est des bancs. Enfin, des bancs, des escaliers, quoi. Ah, voilà, je peux passer la nuit. J'ai trouvé... enfin, j'ai un lit sur moi, je voulais utiliser un lit du coin Z, mais apparemment, il n'y a pas de coin pour faire des trucs avec deux personnes. Bon. Dans l'espace Z. Ah, bah, elle a réussi à mettre des fleurs de cerisier sur le sol, Christella. Comment elle a fait? Elle est douée. Elle est douée, Christella. Une petite paquette rose. C'est des choses que tu ne peux pas. C'est pas des fleurs qui tombent de. C'est des, des feuilles que tu peux récupérer directement sur toi, qui sont au sol. Oh. D'accord. Hop là. Et comme du coup c'est sur le sol, eh bien, soit tu en plantes une avec de la poudre d'os, et eh bien tu les fais évoluer, et quand tu casses, ça te les multiplie. Enfin, je crois, donc du coup, voilà. Tu peux faire un truc comme ça. Ok. De toute façon, je vais faire des productions de fleurs à un moment donné, comme les Hollandais. Je suis sur l'oreille, j'ai mis méga boost. Ça m'a donné l'idée de faire une production de fleurs, tiens. Oh, c'est une bonne idée. C'est beau. C'est beau, c'est ça qui est beau. Mais c'est dans quel jeu français qu'ils ont repris le générique de la SNCF? C'est très drôle. Le jeu de François le Français. Non. D'ailleurs, c'est le genre de jeu, je crois, qui plairait Torota. Coucou. Alors, tiens. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Splasher. Flasher. Splash. Et une, et deux, Splat. Et trois, et Splasher. Quatre, et cinq, et six. Six. Et deux. Sept, et huit, et neuf, et dix. Voilà. Deux merci développeurs français de bourrés voilà de talent qui se sont mis en équipe il y a près de 10 ans de ça, je crois. Et merci. Qui ont codé en... Bah, c'était au début... Merci beaucoup. Au début de la publication du moteur Unity, là. Ah, donc t'es tranquille pour un an de nourriture de bœuf, là. Et de toute façon, comme j'en produis en masse, c'est le truc que je fais le plus en plus, c'est vraiment tranquille. Oui. Est-ce que tu pourras me l'envoyer, le sage, pour que je regarde un petit peu, si tu penses que ça me plairait? Ouais. Ouais, je vais te faire ça. D'ailleurs, tu me fais penser, je m'étais engagé à envoyer quelque chose à quelqu'un et j'ai oublié. Du bois, s'il te plaît. Enfin, les bûches, parce que je veux pas de... 32, ça te va? J'en prendrai moins, je te rendrai le reste, t'inquiète. Ok. Okay. Et je n'ai pas pour longtemps. J'ai bien promené avec du bois, c'est vraiment deux, pratique. Mais tu peux le garder. Alors, je regarde un peu sur moi pour pas être emmerdé durant les voyages. On va faire ça, un, deux, trois. Du coup, il va me falloir... Ah ben attends, je l'ai juste ici. On va faire ça comme ça. Hop, on va faire... Ah, on peut être à deux sur l'établi. Ah, c'est cool, ça. On va faire déjà ça. Il va me falloir
Voilà. Je vais faire ça. Pourquoi je veux faire ça? Mais non, c'est bon. Bon, ok. Tiens, Nayone, je te remercie. Je t'en prie. Je les replie. Je me remercie aussi. Hop. Hop, attends, je te le renvoie une nouvelle fois. Voilà. Du coup. Une grosse impression de déjà vu là. Là, il va falloir que j'aille dans la montagne. Il y en a juste à côté de chez Christella. J'ai failli me faire dessus. Ah. Torota, tu sauras que dans ton superbe sapin là, il y a un Underman qui est dedans. Oh. Et je l'ai aperçu par le dessous. Ça fait très bizarre. Alors, c'est le souci des Underman, c'est qu'ils aiment bien cohabiter chez les autres. Et c'est toujours ça, malheureusement. Mais ouais, ça ne m'étonne pas. Les Enderman, de toute façon. Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Et puis c'est moi, parce que là, j'ai quasiment hurlé. Peut-être tellement que j'ai été effrayé par la vision que le jeu vient de m'offrir. J'ai une montagne juste à côté de chez moi. Donc je ne sais pas si j'ai des lames. Pardon. Bon, ben j'y retourne. En tout cas, merci, Nayone. Je t'en prie. Ben, moi, je vais reprendre la route. Attends, tant qu'on est là. T'as besoin de rien d'autre? Est-ce que tu as du temps ou pas devant toi? Oui. Bon, alors on est parti. Tu veux. Je vais essayer de donner dans le Nether, j'ai pas pris d'équipement en or comme tout non, à non, l'heure. Non, non, on va pas aller dans le Nether. T'inquiète pas. Est-ce que tu as un lit? J'ai un lit avec moi, oui. Ok, parce que je n'en ai pas. De ça, je situe un lit à côté de toi. Pour plus tard, ça sera bon. D'accord. C'est comme j'ai pas de lit. J'ai oublié ça aussi. Alors, voyons. Il y a un Enderman pas loin puisque je l'ai entendu. Hop, on va passer par là. Touk. Hop là, on est pas mal. On va aller dans le bois, peut-être là-bas. Ouais. Ah, mais non! Pff, je viens de commettre une bêtise. Je suis illogique. Ah. Bah, je suis le plus vite, ça, je vais nager sous l'eau. Non, parce que j'ai entendu. Ah, j'ai dit, tiens, Nayone est tombé. Non, non, c'était le non, sage. C'est ouais, c'est moi qui hurlais, pardon. Ok. Non, il n'y a pas de mal. T'inquiète pas, le sage. Alors, on va essayer de trouver ça. Normalement, là, il devrait y en avoir. Ah, des muguets, c'est chouette. Tiens, j'en prends quelques-uns. Ouais. Hop, on va faire un petit tour par là. Allez. On va rester pris. Je sais pas où t'es passé, mais tu dois pas être loin. Au secours, je te vois plus. Attends. Ah ben, tu peux rester à côté de Miguel, j'arrive. Voilà, je suis là. Tiens, derrière toi. Ok. Voilà. C'est bon, ce petit steak, hein. C'est de la viande de lion, oh, attention. Oui. Hein. Ah, tu veux capturer les vaches? Non. Hop, ah. Voilà. De la viande cuite, direct. Ouais. Non, je cherche pas de nourriture. Ah, je vais mettre flamme sur mon épée, tiens. Oui, ben, c'est beaucoup mieux parce que quand tu tues une vache, un mouton, tu as la viande déjà de cuite. Plus butin. C'est ça qui est cool. Et butin, effectivement. Tu. Douda, douda. Alors, fais pas trop ça parce que, enfin, oui. Pour l'instant, c'est juste un point de repère que j'ai.
D'accord, ok. C'est pas alors un point de repère dans le sens où c'est pas que D'accord, c'est je vais pour me récupérer, repérer d'accord. dans Ne pas le dans perdre. Minecraft parce que il suffit de trouver le pont et puis tu sais où tu vas après la voie ferrée du sage. Non, non, je cherche un truc en particulier, tu vas vite comprendre. Il y a des trucs comme ça. Oh, c'est joli ici, le sage. Attends, je vais faire une capture d'écran. F1. Hop, il y a des loulous. Celui-là, j'arrive. Il y a des loulous. Ah, les petits Oui. loulous. Ils sont gentils. Ils sont gentils que si tu ne les tapes pas. Tu Et que m'étonnes. si tu leur donnes des os. Des Ah, il y a des squelettes. ours. D'ailleurs, faut que j'adopte des chiens, moi aussi. Oui. Parce que les chiens, une fois que tu les. Enfin, parce que moi, je voudrais, je pourrais t'en donner, mais ils t'obéiront pas, ils te suivront pas. Hop. Le sage, t'as toujours un lien avec toi? Oui, je vais pouvoir me pioter. Ouais. Ok. Pour info, Torotage, je me suis Oui? autorisé une légère Dis-moi. modification de ton super sapin. En fait, j'ai Ouais, bien décalé sûr. de 180 degrés la porte, je l'ai mis dans la face opposée au niveau du tronc. Parce que tu comprendras quand tu reviendras sur place, j'ai dû murer quelque chose et il vaut mieux que ce soit aisément accessible. On approche de Bien chez sûr, mais ça, Chrysella. il n'y a pas Regarde, de. discrètement, Torota, regarde ce que tu vois là-bas. Vous Chut. pouvez. Ah oui, Ah, il faut pas le d'accord. dire, hein. Faut le dire trop fort. Hein. D'accord. C'est. Pas que le sage l'entende. Oh non, il me dit qu'il y a des monstres à proximité, il me refuse. Ah bah c'est de la présence d'un Enderman de mes deux. Ah merde. Du coup, Hop, on peut pas et se coucher. des. Non mais je vais me barrer dans un lit. Attendez. Dès que tu peux, tu me dis, hein, parce que je peux. Bah, je bondis sur le lit. Hein. Là, il fait nuit, on est en pleine forêt, ça me fait peur. Oui, je me maille les fesses. Je me maille les Allez. fesses. Regarde, ici, si tu veux. Regarde, tu sais quoi? On va faire ça. Encore mieux. Ouais, j'ai des torches aussi. 5, Voilà, c'est bon, tu peux y aller. 4, 3, 2, 1, 0. Le compte à rebours était Ouais. tellement cool. Je m'attendais pas à arriver au lit si rapidement en fait. Et Et voilà, voilà, on est reparti j'ai tellement bien sprinté que. pour la nouvelle aventure. On est pas mal pourtant par ici. Il y a de la lumière qui est passée par ici. On... Putain, mais j'ai ouvert partout dans le château. Si je fais une mauvaise rencontre, ce sera ma faute, hein. Les accès sont ouverts. C'est genre des portes ouvertes au château. Ouais. Il ne devrait rien avoir quand même, surtout ici. Dans un biome sapin. On va se rapprocher Je pense qu'il y en a qui sont déjà passés par là, en de la fait. voie ferrée. Voilà. On l'a fait gaffe, ça Oui. tombe. Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas. On est bien stuffé, donc ça va pas nous tuer. Après, tu pourrais mettre chute amortie, mais est-ce qu'il y a un intérêt réel dans tout ça? Moi, j'ai chute amortie. Ta chute amortie? Oui, bon. Tu fais bien, hein, parce que des fois, quand on creuse sous soi, et puis en fait, tu En fais fait, jamais. quelle bêtise! Il y a des boutons de couleur en tout cas ici. Hein. Ouais. Et si on Tout, doit tout. aller pénétrer sur la voie du sage, c'est pas un souci, j'ai une pioche en toucher de soi pour casser les carreaux. Ah tiens, t'as Alors. mis. Là, le sage, t'as mis un. T'as pas mis de carreaux? Ah ok, sur la voie ferrée. On est sur la voie ferrée du sage. Sur Oui, ta bah voie ça veut dire moyenne. qu'il y a. S'il n'y a pas de carreau, ça veut dire que je m'attends à faire une extension de quai de débarquement. Donc une station. Et tu me dis ce que tu cherches, ton retard, peut-être que je pourrais t'aider. Une rue. Ah! Ok. Je pense Parce que. que.
En revenant sur le chemin du sage, j'ai croisé déjà des abeilles qui volaient juste à côté. Donc il y a une ruche quelque part. Sinon, près de mon rail, il y en a, j'ai trouvé une ruche. Alors, vers chez tu sais, mais il faut faire tout le chemin. Et entre chez moi et chez le sage, le mont Horizon. Ça, c'est Vas-y, mon... je te suis. Mais ça va être, après, ça remonte à loin. Ça remonte à loin. Mais on peut tester si tu veux. On peut essayer. Je viens d'avoir une idée qui me plaît beaucoup. Vas-y, T'en tu penses quoi? veux. Vas-y, Attends. vas-y, je te suis, hein. Alors, je casse un carreau et je passe la vitre. Bah, pourquoi tu pioches pas la pierre directement? Ça évite Oh, de parce faire. que... Oui, ok. Vas-y. Alors, Hop on va là. aller par là. Là-bas, vers l'auberge de Christella. Hop, attends, tu remets les. Oui, je remets les trucs, je suis bête. Excusez-moi. T'excuses pas, il n'y a pas de mal. Et on Ok. va direction chez Christella. Voilà. Je sais que c'est là. Allez, let's go. Oui, et puis bon, là, m'ont retapé 7 minutes à deux. Moi, Maintenant parce que que j'ai là, on est trouvé plus proche. rapide, je commence à voir la méga flemme. Attends, on va bien chez Christelle. Oui, Ouais, t'inquiète c'est bon. pas. Mais il me semble que j'ai verti Seb dans l'espèce de jungle, j'en ai vu. Sinon, peut-être près de chez moi, il faudra péter un carreau pour passer. Et je suis pas sûr qu'il y en avait, mais j'ai souvenir qu'il y en avait. Oh, vas-y, Voilà pour. vas-y, t'inquiète, on va aller voir. Bon, on va aller d'abord chez Tissa parce que c'est plus probable. Ouais, mais si c'est à Et côté chez... de chez Petit Seb. Pas trop. Je sais plus, ça remonte à loin et je sais plus exactement où ça tombe sur la voie. Mais je sais pas, Oui. si tu penses, si tu es sûr qu'il y en Comment? est, on peut toujours aller voir. Hein. Ouais, on va tester. Je. Attends, j'ai besoin de viande, tiens. Alors, on choisit d'aller soit chez moi, vers chez moi, soit vers chez... On va aller vers chez toi. D'accord, ok. J'espère que je suis pas trompé, mais c'est par là. Non! Ah! Vas-y, Cours, cours, vas-y, tu peux le faire. vas-y. Tu peux le faire, oui! Ouais! Ouais! Heureusement que ça s'est arrêté. Je n'allais pas me retaper toute la ligne en courant. Et puis ça passe, ça n'anime pas dans le chat de Nash, hein, c'est calme. Oh, Oh il y a des ben, monstres. c'est ce que je disais, Kik, c'est malheureusement beaucoup de gros streamers qui font des jeux de. Soit ils sont très connus, soit c'est pour les jeux d'argent et voilà. C'est malheureusement Kik. Parce que Kik appartient à un casino, donc forcément. Ah, je savais pas. Oui, et c'est pour ça que les jeux d'argent sont autorisés. Ah, Parce alors là, que tu ça m'apprends un appartient à truc. un casino. Ah, je savais Voilà. pas. Comme Même il y domaine a sur la droite. énormément de streamers qui se sont fait bannir de Twitch à cause des jeux d'argent, et D'accord. bien du coup, Kick, un casino a créé Kick pour les recruter et pour qu'ils soient sponsorisés et qu'ils fassent des jeux d'argent en direct. D'accord. Voilà. Et comme ça, eux, ils disent, ben non, on n'interdit pas. Ouais, tu m'étonnes, c'est leur niche commerciale. Ouais. On D'accord, regarde en d'accord. même temps par les carreaux s'il n'y en a pas. Mais après, si à côté de chez toi, c'est bon, hein, Enfin, c'est dis-moi, largement non, mais loin. je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr à 100%. Eh Mais bien, écoute, il faudra on va y descendre aller. de Hein. rail, faudra casser le rail à un moment donné.
Mais là où tu avais trouvé du cacao, le sage, il y avait des abeilles, il me semble. Là où tu as trouvé les graines de cacao. Oui, je crois que tu dis Ah vrai merde, dans il la faut faire jungle. demi-tour. Ah merde, il faut faire demi-tour. Ah ben on descend, vas-y. Dans la jungle, oui, il y a pas mal de ruches. Ouais, voilà, c'est ça, ça sera mieux. Parce que moi, c'est pas une jungle, c'est une forêt de. Non! Reviens! Attends, je vais le péter. Pas deux fois! Mais non! Il Pas faut trois pas être très loin de fois! l'auberge Alors de c'est bon. Christella en allant Je te prendre la pose, je direction te pose, de petit vas-y. Seb. Hein. Dès que Merci. vous voyez les premiers bambous, là, la bambouseraie naturelle, vous débarquez et vous allez Ouais. du côté du bout du monde, en fait. Et là, vous allez trouver pas mal de. Alors, c'est bien, en plus, c'est une jungle clairsemée. On arrive à se diriger, à voir Exactement. loin, et vous allez repérer aisément les abeilles. Hein. Ok, ouais. Là, on discutait, ben là, c'est plus sûr, ouais. C'est plus sûr d'aller là-bas. Et pour les capturer, comment tu vas faire, Dorota? T'as une boîte? Oui, j'ai une technique ancienne, ancestrale, Oh là là. qui a été faite par mon grand-père depuis des siècles déjà, non pas du tout. Ah, Par ton Maria. grand-père, il y a des siècles, immortel, le grand-père. Ouais, il y a une différence d'âge hein, entre mon grand-père qui est né il y a des siècles et moi maintenant. Ouf. Va trouver l'erreur. Et en fait, Dorota est un immortel. C'est ça. Ah ben je voudrais pas, hein, qu'on me tue tout de suite sur le champ. Ouais, Tu ne peux c'est pas, tu es terrible. immortel et invincible. Non! Je ne suis pas Highlander. Tu Ouais. perdras la tête pour le prix final. Non mais c'est, enfin ouais. Je Et vais pas dire lancer un que coup c'est de le feu, mais. rêve de beaucoup de personnes riches, être immortelles. Bah, Ouais. ils ont tellement de thunes et tellement de plaisir. Bah c'est ça. Ils ont dépensé tellement d'argent pour. Ils pensent aussi à la cryogénisation. Oui, bah oui, j'en avais parlé dans un épisode commenté, là. Effectivement. Sous Deus Ex. Mais oui, c'est pour ça exactement. C'est-à-dire ils ont tellement de plaisir, justement, comme ils ont les moyens et de l'argent. Autant faire durer ce plaisir et avoir l'immortalité, prétendre à ce titre. Évidemment, à l'inverse, quelqu'un qui a une vie miséreuse ou pire, qui est de nature à être dépressive par nature. Je rappelle que moi, ça me choque, hein, mais dans la médecine, on pourra vous affirmer, la médecine, que des individus sont dépressifs par nature et le sont toute leur vie. C'est horrible. Ils ont très peu de plaisir et de satisfaction. Donc, Donc on descend dans 1300, Torota. ces individus-là, je doute Ok. vivement qu'ils aient envie d'être immortels. Parce que l'idée de faire durer un mal-être, c'est terrible. C'est terrible. Mais ça dépend, Je suis parce que parti, t'as dit. Torota. Ok, moi je suis allé dormir. Bah, à moins d'être masochiste à donf, mais tu deviens fou, c'est pas humain. Mais après, ça dépend, parce que moi, enfin, Oh merde, il y a merde, des j'ai gens loupé mon qui coup. sont totalement Je vais dans le lit, hein. rationnels, on va dire ça comme ça, et qui préfèrent vivre une vie, on va dire, classique, que. Que je. Voilà. Oui. voilà. J'aime bien ne jamais finir mes phrases. Elles sont toujours compréhensives. Ouais, les gens qui sont rationnels, donc ça sert à quoi de vivre des milliards, des centaines de milliers d'années? Ça te ramène rien, ça te fait gagner rien. Ouais. Si tu veux de l'argent, bon, ben ouais, ok. Mais bon, après, tu passes des siècles, qui te dit que tu vas pas arriver à un moment de guerre, quoi. Ouais. Et puis J'arrive à ça la sera jungle. plus la même mentalité, ça sera plus du tout. Enfin bref. Je descends la jungle, ton otage t'attend à la jungle. Alors, je vois pas tant. Faut que tu passes en moins 1300, donc faut que tu remontes dans le négatif.
Moins 1300. C'est bon, on Non, descend c'est maintenant, pas. on descend maintenant. Maintenant, voilà. Nickel. J'ai repris une capture d'écran. Je te remercie. Attends, je vais Et passer on par est là. parti pour aller. Ah oui, oh, ça fait longtemps. Hop, à mes souhaits. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le dire. Alors, voyons, voyons. Là, il y a du cacao. Je pense que c'est le sage qui l'a replanté. Ah bah attends, il y a peut-être une ruche. Non, il y a du cacao. Oh, mais t'inquiète pas, il va falloir qu'on se mette bien dans la base, dans le biome. De toute façon, si on voit une abeille, c'est que c'est bon signe. Ah, il y a un. Là, c'est moi, là, c'est le truc. C'est moi, c'est la grosse abeille. C'est Nayuné, là, l'abeille. Ah ben non, t'es un lion. Il y a des lions. Ah oui, t'as vu qu'il était jaune, tu dirais une abeille. Brûlez-les. C'est qui les laits? Brûlez-les. Brûlez-les. Ah, là-bas? Ah Dans le merde, cacaoyer. pardon. Le Il avait dit cacao. clairsemé, le sage, mais on n'est pas dans le clairsemé là. Ah, une pastèque. Une pastèque. Hop là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être Donc, monter aux si je lianes. creuse là, Je vais voilà. regarder d'en haut s'il y a quelque chose. Ouais, mais si tu montes pas le liane, Bon, je vois rien. ça va pas être facile. Le sage, c'est pas toi qui voulais des graines de pastèque? Ah, j'en Ah. ai, ça va, merci. Ok. Non, par contre, il y a un truc, je t'étais, enfin, moi, je maîtrise pas, c'est la reproduction des sniffers. Parce que je serais Oui. tenté, alors pas maintenant, mais bientôt, d'avoir un Adoum. sniffer dans le château. Ah, En attraction, bonsoir, j'adorerais avoir un salut, c'est sniffer. Seb. Je te montrerai ça, il n'y a pas de À souci. Fais l'occasion, oui, gaffe, merci. hop, Bon. fais gaffe, tu retard. Bonsoir, Oui. petit Seb. Bonsoir. Bonsoir. J'ai Même pas regardé en Tad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 
J'y vais 14 ans, je ne sais plus. Non, il y a 14 ans, on a fait du Command & Conquer. Bien, un biome désert. Enfin, une petite parcelle de désert. Ouais. Avec deux tortues. Ouais, deux tortues. Qui sont en plein milieu de nulle part. Et un petit truc là-bas qui est à vérifier. Peut-être que ça a été visité ou pas, je ne sais pas. Ah oui, le singe m'avait montré la sculpture de Lara Croft, là. Au Rider. Et là, il y a une abeille. Lara Croft. C'est la fameuse sculpture. Mais non, mais la fameuse sculpture dans la jungle en boîte, en pierre ancienne, au cœur de mousse. Non. Ça le temple de la jungle où j'avais vanné en direct en disant mais Lara Croft oui. Allait sûrement passer par là. Oui, c'est vrai. On se serait cru dans un niveau de Tomb Raider. T'as vu une abeille, tu as dit? Non, j'ai parlé au sage. J'ai pas sage. Vu l'abeille. D'accord. Ici, on va pas. J'ai parlé d'abeille au sage. Hein. Est-ce que je voulais savoir si le sage, si à côté du temple, il y avait des abeilles? Non, non. Oh ben, le sage, tu te souviens? Oui, je me souviens maintenant. Tu dis vrai. Non, mais je veux dire, s'il y a des abeilles ou pas, auprès du temple. Moi, j'affirme. Ah, près du temple, peut-être pas. Non, pas près du temple. C'était plus dès que j'avais quitté le rail dans la première minute. J'avais distingué la jungle clairsemée. Ah bon, faut qu'on y retourne de retard, on s'est planté. Non, pas forcément, parce qu'il y en a un peu partout. C'est un peu partout en fait, c'est vraiment dispatché partout, donc tu n'as pas forcément un endroit précis pour... Sachant que Petit Seb est déjà passé par là, il a sûrement déjà retiré pas mal de ruches, mais Petit Seb, je sais pas. Les ruches, non, moi je les enlève jamais. D'accord. Ah non, parce que ça c'est chiant d'avoir des abeilles, alors quand il y en a une... Le problème, c'est pas forcément de savoir s'il y a une ruche, c'est de savoir si les abeilles sont encore dedans. C'est ça. Ah, on peut être perdant. Des ruches peuvent être donc abandonnées. Attention, on ne va pas par là. Alors, mais c'est pour ça que si tu vois une abeille, la suivre. Oh. Je te disais au moins que t'as une. Ah ben regarde, t'as une ruche là et t'as une abeille. Et ben voilà. C'est bon. Alors, par contre, tu vas me laisser un petit peu de temps. Oui, vas-y, je te laisse faire. On va les laisser. Il y a deux abeilles. C'est bon signe, ça, deux abeilles. Ouais. Je t'observe. Donc, tu as fait un escalier. Tu vas l'enfumer. Il faut attendre. C'est pas trop con, ça va pas brûler la ruche là? Non. Tu vas voir, t'as les abeilles qui vont revenir. Les abeilles. Ah merde, quoi dit? Quoi? Tu me. Je te mets un doute. Parce que je me souviens que Christella est de trucs brûlés. Je brûle pas. Oui, je vois, c'est ça. C'est que je ne brûlais pas la ruche, mais c'est les abeilles qui rentraient dedans qui se faisaient cramer. En général, il vaut mieux enterrer le feu de camp un bloc en dessous du sol et mettre un tapis au-dessus, ça empêche les guêpes d'aller dans le feu. Oh. Ça, c'est astucieux. Elle est morte, là aussi? La fumée sort quand même et... Parce que le tapis est trop près du truc, la fumée sort quand même et du coup ça enfume quand même là. C'est l'inverse, hein. les abeilles elles se cassent. Non, elles se cassent pas. Non, elles vont revenir. Non, il y a une autre ruche à côté. Bouge pas. C'est la nuit, hein. Est-ce que tu peux passer, est-ce que vous pouvez passer la nuit, le sage ou dans le Nether? Je sens que je vais buter le l'Underman dans le sapin aménagé. Là, parce que oui, vas-y, bute-le. Bah, j'ai envie de le faire parce que c'est mon chantier au pied du sapin. Là, je suis en train d'aménager ma voie de sous-sol depuis le château. Ça sent le sapin. Comme c'est mon lit le plus proche, là, ça manquait de faire des allers-retours débiles.
Tu peux Attends. Dormir, Nayone, il y a quelqu'un qui est déjà au lit. Non, et personne qui est au lit. C'était toi, autant pour moi. C'est bon. Oui. Bien joué. Alors, attends, on va voir un petit peu. La bille, elle s'en va, en fait, au lieu de rester. Non, mais ça, c'est normal, c'était la journée. Il faut que j'attende le soir. J'ai une idée. Les Andermen détestent l'eau, parce que pour eux, c'est corrosif. Oui. Si je balance un seau d'eau sur le plancher du sapin, il va fuir, l'Anderman. Oui. Donc on va laisser passer la nuit. Enfin, on ne va pas laisser passer la nuit. Une fois que la nuit tombe, attendre que les abeilles rentrent. Et il y a besoin de toucher. Je récupère tout le monde. T'as besoin de toucher de soi ou pas? Non, je te remercie, parce que je l'ai déjà. Oui, parce qu'en fait, si tu mettais le feu contre la ruche, ça cramait les abeilles qui étaient dedans. C'est ça. Voilà, je me disais aussi que c'était trop proche. Attendez, j'ai tenté cette expérience. Et en plus, tu vois, là, le souci, ça c'est pas le souci de c'est pas ta faute ou c'est pas quoi que ce soit. Là, le souci qu'il y a, c'est que ils te mettent des ruches au milieu de nulle part. Uh-huh. Donc du coup, elles peuvent pas butiner ou des trucs comme ça. 3600, 3260. Alors, rira bien qui rira le dernier, Monsieur Londermen. Attendez voir que Donc je on vous est là, il faudra partir derrière complètement. Ok. Moi, je propose que ce soit nous qui rigolons à la fin parce que le sage aura merdé. Parce qu'il aura vu qu'il n'a vu qu'un Enderman, mais en fait, derrière, il y en avait deux autres. Ouais. Parce qu'on le rappelle bien, si tu en attaques un, les autres se foutent contre toi. On rentre en bateau si tu veux, Dorota. Je fais des bateaux si on veut rentrer en bateau. Pour pas se perdre, j'ai vu que la rivière, elle descendait le long de jusqu'à la gare. Là, t'inquiète pas, je sais à peu près où on est. Donc, ok, pas de souci. Ah, bah, à peu près. J'ai une carte que je me suis faite. Enfin, c'est mon confort. Par contre, c'est que j'arrive à me cartographier le point à peu près où je suis. Donc, du coup, eh bien, en attendant, tiens, on va faire le tour, voir si on en trouve d'autres. Ouais. Ça nous ferait gagner du temps. Surtout qu'il y en a une pour toi, une pour le sage et une pour moi, quoi, deux ruches, c'est ça? Alors, pour l'instant, il y a deux ruches. Oui, voilà. Pas trois. Oui, voilà, c'est ça. Donc, justement, c'est pour ça qu'il faut en trouver d'autres. Ce serait donc, cool pour. On peut en crafter ou pas? Alors, tu pourras en construire une, effectivement. Mais sans appeler. Avec. Ouais, c'est ça. C'est le problème. Tu peux laisser une ruche que tu as craftée. Oui. Mais à la fin, ça te servira quand même à rien parce que ça n'a aucune. 1, 2, 3, 1, 2, 3, aucune utilité. Hop, hop. Est-ce que tu peux mettre les fleurs à côté des ruches ou pas? Pour l'instant, non. Il faut attendre la nuit, comme ça, tu es sûr qu'elles sont toutes là. Et on attendra oui, elles vont être attirées. Comment? Ils vont être attirés automatiquement. Attirés par quoi? Par les fleurs. Alors, oui et non. Parce que donc, elles se barrent pas à perpète, quoi. Mais c'est ça. Parce que t'as les abeilles qui peuvent se barrer à Tataouchnok. Et non, d'ailleurs, il y en a un qui disait. Je mets des abeilles ici. Tataouchnok, c'est un lieu qui n'existe pas. Et pour répondre à. Mais d'ailleurs, c'était dans le chat des copains que j'avais fait ça. Tataouchnok existe, c'est un nom de restaurant. Voilà. Éliminer plein à côté des ruches, ça, c'est utile quelque part. On va voir, on va attendre que la nuit passe.
À la limite, ce que tu peux faire, c'est que tu restes sur une ruche. Oui. Tiens, puisque tu es à côté de celle-là, tu peux, c'est pour voir si les abeilles rentrent bien dedans. Ouais. Tu me dis, normalement, il doit y en avoir 3 qui vont rentrer dans la ruche. D'accord. Serveur Minecraft a dit astérisque rester, le sage de Nancy astérisque speech-barbalon, la légende des Endermen téléphate est vraie, en me pointant passe, avec un seau d'eau, ma cible s'est téléportée hors de ma vue. Là, il est juste au-dessus de nous. Donc, est-ce que tu veux qu'on cherche est-ce que tu veux qu'on cherche d'autres ruches? Attends, je vais aller en face. Hop, j'allais y aller aussi. Donc, on a... Je vais longer, moi, de l'autre côté, en attendant que... Je vais longer la côte en attendant, parce que je pourrais avoir un chouïa de chance. Ah oui, petit Seb, tu n'étais pas là tout à l'heure. J'ai fait une construction. Si tu veux aller à Bella Sabla, c'est beaucoup plus rapide. J'ai fait une liaison entre l'épée qui est à côté de l'auberge de l'auberge jusqu'à le crâne et le crâne, c'est ça. Et il y en a pour même pas 2 minutes. Voilà. J'ai les raccourcis mais c'est ça. Ah là là, vous êtes sacrément futé. Très bien joué. Oui, la téléporteur, ça aurait été génial. Ben, on est servi. Regarde-moi l'Underman. Regarde-moi les yeux. Montre-moi tes beaux yeux roses. Il me tourne le dos alors que je le regarde. Tiens, prends une flèche dans ta gueule. Ah, ça y est, il s'énerve. Toi aussi, énerve-toi là. Oui, donc là, je l'ai écrit à l'instant. Ça sent la ruche. Dès que je me suis pointé dans le sapin avec un seau d'eau en main, il s'était fait la malle. Il a dû sentir le danger venir. Ouais, c'est juste le hasard. Bienvenue chez moi. Franchement, ça fait ambiance. Hein. Ça fait crédible, j'ai adoré. Un Underman de moins. Du coup, ça, je peux le démolir. Ça fait que ça fera un truc beaucoup plus naturel. Bon, il arrive bien. Je n'ai pas mon lit. Hein. J'essaie de regagner le. Le camp, t'as pas ton lit? Tu l'as mis où ton lit? C'est... Si, je l'ai pas. Enfin, j'ai pas. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. C'est bon, j'ai mon lit. On a encore un petit peu de temps. De toute façon, s'il y avait des boutons, j'avais des cisailles, on aurait pu faire un lit. La moutarde. Ah, j'aurais dû les tondre, les moutons, mais oui, quand on est passé à côté. Quel con. T'inquiète pas. Je paye le réflexe. Je vais aller par là. Oh, ça sent quoi là-bas? J'aime pas du tout ce passage. La 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 la, chic chic chic, j'aime bien ce que je construis. Le bigromel. Par contre, là, pour l'instant, ne passez pas la nuit. Oui, oui. Je vous tiendrai juste au courant une fois que tout sera parfaitement
fait. Tu sais quoi? Je vais le virer. Hop, ça ne me servirait à rien. Ah, la nuit arrive. Mais tu me dis quand je vais me coucher. Hein. Ouais, je te dirai ça, t'inquiète. Oh, oh, faut pas tomber, faut pas tomber. Mais reviens de... Je reviens. J'ai pas vu d'abeilles, mais je reviens. Oui, alors attends, du coup, là, je vais pouvoir mettre de la roche. Ok. Là, on est bien. Un zombie full armuré en or. Dans le Nether, c'est des zombies bling bling. Hein. Tu m'étonnes. Les zombies bling bling. Je te retarde. Là, je te jure, hein, il a les bottes, le pantalon, le torse et le casque en or. Et il a le pantalon et le torse enchanté. Eh ben dis donc, le casque que j'arrive pas à voir. C'est bon, pour toi, j'ai atteint la ruche avec les fleurs roses. Enfin, les fleurs que... Il m'a looté le torse et le casque. Ah, mais t'as récupéré les ruches, Torota. C'est bon, vous pouvez aller dormir. Ok. C'est bon. Je vais dans le lit, c'est qui va aller dans le lit, allez-y. Alors, normalement, je vais avoir le plaisir de bénéficier du lit dans le sapin. L'excellente installation de Torota. Et oh, magie, j'y accède plus rapidement. Joie. Ok, je vais récupérer les fleurs. Hein. Donc ça sent pas le sapin, tout va bien. C'est ça. Tu me rappelles les délicieux bonbons, la sève de sapin des Vosges, genre Raphaël. Oh oui. Oh oui. Je vais attaquer ces zombies. C'est moi le malin creeper, il peut plus m'atteindre. Attends, le bloc de bio. Torches, si tu veux. T'as de la place ou pas? Oui, de la place. Bah, tiens, t'aimes bien la vie. Non, c'est. Ah, c'était. Attends, ah, non, Je veux pas de viande. J'ai vraiment plus de stock, moi, de mon côté. Bien, je te rends ta roche noire. Je m'en servirai pas. C'est pour ça que je l'ai là, surtout. Ok, ben, je te prends. Tiens. Hop. Alors, petit conseil. Oui. Attends, tu sais ce que je vais faire. On va faire ça. Tiens, avant que tu... Oui, il faut poser le feu avant. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, déjà, ça fait deux nuits et on va continuer. Fais gaffe, il y a un squelette à archer. On va continuer. Oh oui, les squelettes qui se tirent dessus. Ils se tirent tous dessus. C'est excellent. Je pense, sans être médisant, que le squelette est la créature la plus rampinière du jeu. Je confirme. Quoique, le zombie, il est pas mal. Il est plus agressif aussi. Ouais, pas envie. Le zombie n'est pas mal non plus. Il est plutôt agressif. Mais ce qui est drôle, c'est ce que j'avais vu une fois. C'est le flèche dans la fesse gauche. C'est quand tu as le combo squelette, zombie et araignée. Et marchand en face, là, regarde. Ouais. Vas-y, chacun une laisse. Orchidée bleue. Vas-y, je détourne son attention. C'est dégueulasse. Tiens, je te donne une laisse. J'ai détourné la passion du marchand et il y a des buts là-bas. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils vont? Un cajou. T'es passé où? T'es passé là? Il vend pas grand-chose d'intéressant. Le marchand.
Oh, le détournement d'attention. Tu vois rien, tu vois rien. Au revoir les lamas. Ah oui, je suis passé, mais là-bas. C'est ça. Je mettrai un casque de tortue. Le casque de carcasse de tortue, d'écailles de tortue. Ça ouais, ça respirer sous l'eau, ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai tortue là. Regarde. On va la suivre. Casque en carapace de tortue avec apnée 3 dessus. Histoire de faire dans la démesure. Il y en a une autre là-bas. Ouais, bien vu. Donc on est. Ouais, vu. Il y en a une qui est là. Elles se sont égarées, les coquines. Non, elles sont pas forcément égarées parce qu'elles cherchent de quoi butiner. Attends, je vais leur mettre des fleurs. Voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Regarde. Ah oui, juste là. Donc une pour les singes, une pour toi, une pour moi. Génial. Voilà. Voilà. Il y a eu des moutons sur le. Attends, je vais butiner, j'ai envoyé des fleurs à butiner. Alors, pas trop près du feu, parce que justement, ça peut les faire cramer. Je vais continuer à fouiller un tout petit peu. En tout cas, ça régale bien, parce que là, honnêtement, c'est la troisième ruche en très peu de temps. C'est vraiment exceptionnel. Surtout vraiment très très proche là. Ah, c'est bon, elle butine. Elle m'attaque, elle veut m'attaquer? Non, elle t'attaqueront pas parce que j'ai une fleur dans les mains. J'ai une fleur dans les mains. Ah oui. Si elle t'attaque, tu recules. C'est bon, j'ai mis des fleurs tout autour. Hop. Moi, je fais un petit tour rapide. Elle a brûlé! Voir. Oh la con! Elle a brûlé? Oui, elle s'est jetée dans l'œil flamme. Ah ouais, c'est parce que. Donc, dans ce cas-là, bon, il y en a encore une. Il y en a encore une. Mais, ouais, on va voir. Parce que s'il n'y en a plus qu'une. Parce que là, les deux ruches que j'ai, il y en a trois. Ah oui, donc on peut faire un. On peut faire un. Attends, je m'attire comme ça. Je vais la garder en main. Comme ça, les rapaces brûlées. Ah, il y en a deux, il y en a deux, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On pourra récupérer quand même. Okay. Mais comment elle a pu je pense cramer que... comme ça, cette grosse. Attends, je vais faire un truc. Je vais. Attends, je vais donner un coup de débroussailleuse. En plus, celles-là, elles sont plus intelligentes. Elles c'est, là, c'est là que la houe, elle est pratique. Non, fais gaffe, parce que si tu tapes une abeille, elle t'attaque. Oui, oui. Ouais, ouais, t'inquiète, mais... t'inquiète. Tranquille, il n'y a pas de. Allez, hâte. Merde, j'ai buté une abeille. Oh le con. Et voilà, j'avais peur de ça. Mais bon, c'était pour pas que tu te prennes dans le truc, oh, fais chier. C'est pas grave. Il y en a une là-bas, il y en reste une là-bas. Ouais, mais laisse tomber. S'il n'y en a qu'une. Oh non, hop. Mais merde, je pensais bien faire. Non, mais c'est pas grave, ça arrive. De toute façon, combien au total des abeilles? Au total, t'as 3 fois 2 ruches? Non, c'est 2 ruches avec 3 abeilles dedans. Oui, 2 abeilles. Ouf, il y a 2 abeilles. Il n'y a pas de souci, il y a 2 abeilles. Il y a 2 abeilles? Oui, c'est bon, il y en avait 3 sûrement. Je reviens. Il y en avait 4 alors, parce que il y en a une qui s'est fait cramer, tu m'as dit. Oui, non, mais c'est... Non, non, t'inquiète. J'ai devais y en avoir 4, oui, parce que, ouais. Tu me dis quand je lâche les abeilles, que je les lâche et qu'elles aillent au... Ben, quand il fera nuit, parce qu'elles vont rentrer quand il fait nuit. Donc, là, vu l'heure... Le jeu mérite d'être logique. Quelle heure? C'est le midi. Je reste là, je reste planté. Remarque, elles doivent se reproduire à l'intérieur, du coup, je ne sais pas. Oui, je vais voir. C'est fort probable.
Et si j'en donne à manger les fleurs, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas du tout, c'est une bonne question. Mais là, juste que je vais essayer. Ah oui, ça marche. Je peux les produire. Ah oui, elles se reproduisent. Les fleurs, ça... hop, ça fait une petite abeille. Oh, et génial. Voilà. Ah, t'as provoqué le mode amour avec les petits cœurs. Ouais, ouais. Oh. Ah, attends, j'ai encore. Regarde, on a trois abeilles. C'est cool. Là, il les reproduit pas ici. Il vaut que tu le fasses chez toi dans ce cas-là. D'accord. Parce que. Après, je ne sais pas quel est le nombre maximal de places dans une ruche. Mais si on a deux, c'est bien. C'est 5 ou 6. 5 ou 6. Ok. C'est pas mal. Mais je suis pas sûr. Alors, on va. Ben, on les intimes. Hein. Tu veux que j'en produise encore ou pas? Non. Parce que de toute façon, après, moi, je ne saurais vraiment pas quelle abeille a combien de. quelle ruche a combien d'abeilles dedans. Mais c'est pas grave, de toute façon tu donnes des fleurs et puis c'est pas un souci, je vois pas où est le problème. Que si je donne des fleurs aux abeilles, ben si on a minimum 2, on peut mettre autant de fleurs qu'on veut et puis hop, ça pop. Parce que la reproduction, c'est juste 2 abeilles, 2 fleurs et une abeille obtenue. Regarde, celle-là est toute petite. Elle est reproduite, tu vois. J'ai fait une 3e abeille. Et comme il a dit 6, ben c'est bon. C'est pas. Parce que je comprends pas ce que tu veux dire, en fait, le fait d'avoir plus d'abeilles, c'est intéressant. Non, parce que le problème là, actuel, c'est que si le, je dis nos conneries, si là tu as 4 abeilles et qu'il y a 3 places, t'as une abeille qui, quand tu vas péter, enlever la ruche, elle va t'attaquer, elle va, oui. Elle va être toute seule. Donc du coup, et eh ben voilà. Ah oui, ok. C'est comme si tu avais une hache, par exemple, mais que tu n'as pas touché de soi, tu pètes la ruche. Donc oui. Si tu pètes la ruche, eh bien, tu te fais attaquer par les autres abeilles. Donc, ça peut oui, voilà, plus. C'est ça, ok. Donc j'en fais pas plus, d'accord. La nuit arrive, tu peux enlever ta fleur, parce que la nuit arrive, elles vont rentrer là. Une qui est entrée. Elles sont rentrées toutes les 3 en même temps. Non, parce qu'il y en a une là-haut, la petite, et les autres, ça va arriver. Il va où ? Elles arrivent, t'inquiète pas. Comme la nuit arrive, voilà, tu vois, c'est l'effet de la nuit. T'inquiète. Elle peut pas rentrer celle-là, mais elle est petite. Ici, elle va rentrer, t'inquiète pas. Mais comme c'est qu'une petite, du coup. Je peux la buter, la petite. Ah non, si on attaque une, les autres vont l'attaquer. Ouais. Ok. Donc, attends plutôt. D'ailleurs, elle s'est coincée. Elle est où, la petite? Si t'as une laisse, normalement, tu te pourras attraper une abeille et l'emmener plus loin. Hein, si tu veux. T'as une laisse. Mmh. Bah attaque la trappe la veille avec, si tu peux l'atteindre. Reste à côté de la ruche. Non, bah c'est pas grave, attaque la ruche et je la bute. Si, je l'ai vu, elle est là, elle arrive. Elle a du pollen sur elle. J'ai vu des... Ce que je voulais dire, c'est que tu prends la ruche, elle va essayer de t'attaquer, je la bute avec les flèches, et terminé, quoi. Non, et puis, les autres, comme je la vois, elle est là-bas. Elle arrive, elle revient... Elle est là. Elle vient pas. Attends, j'y arrive. Si, elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle est conne, cette rue. Bon, on s'en fout, laisse-la. Elle est trop petite pour attaquer. C'est parce qu'elle est petite, c'est pour ça qu'elle fait rien. C'est bon, je l'ai. Ok. Tu me dis quand je passe la nuit? Oui, passez pas la nuit, les gens. Mmh. Ouais, ça va. Je suis toujours dans le nether. Je suis toujours dans le nether. Puis moi, je suis relativement sécurisé. Là. Je me suis parqué. On va être là, on laisse une abeille. Ouais. Nous, on attend le mode pour que les villageois en laissent aussi, parce que le pain, c'est pas très. Non, c'est une petite abeille, elle veut pas. Hein. Les petites, elles vont pas dans la ruche. Si, t'inquiète. Elle a du mal. Faut pas s'inquiéter. Elle se casse à nouveau, regarde. Vas-y, on s'en fout, elle est trop faible pour attaquer. Elle est trop faible pour attaquer.
Regarde, elle est trop faible, elle est trop faible. Non, elle non, veut pas. Je suis sûr que les, je parie que les bébés abeilles ne vont pas dans les ruches. Tu vis normalement. Attends, mais je vais l'attaquer. Hein. Vas-y, il y en a une dans la ruche, tu peux l'exploser, vas-y. Bon, je l'attaque là, je l'attaque. Ça te dérange pas que je la tue. Ben, si ça pouvait faire quoi Ouais, mais tu t'en fous, t'en as besoin de deux pour reproduire, parce que trois... Ouais, mais vaut mieux en avoir trois, parce que en vrai, les abeilles, t'as vite fait de les perdre. Hein. Moi, il y a une seule ruche que j'ai détruite près de chez moi, parce qu'elle était vide. Parce que les abeilles ont butiné une fleur, puis une autre, et elles sont parties tellement loin, elles sont jamais revenues. Ben, j'ai fait une croissance, mais ça marche pas. Non, parce que ça marche pas... Si tu mets des fleurs à proximité, il n'y a pas de souci, hein. Parce qu'il y a l'effet croissance qui s'est affiché avec les fameuses étoiles vertes. Ah ouais. Je crois qu'elle a des problèmes, cette abeille. Hein. Elle doit être handicapée. Hein. Non, mais vas-y, c'est pas grave. De toute façon, je prendrai la ruche où il n'y en a que deux, et puis basta. Ou alors on rentre à pied comme ça. Vas-y, on s'en fout, tu la traînes en laisse. Parce que là, elle a décidé de pas rentrer. Hein. À mon avis, il va y avoir que deux places dans la ruche. Parce que là, on perd du temps. Tant pis, tant pis, tant pis. Je t'influence, mais c'est. Je prendrai cette ruche, je sais pas sur DAC 2. Alors attends, du coup, il me faut une place. J'en ai une. Oh. Allez, vas-y. Non, il va pas, il va pas, il va pas. Non, mais là, plus de temps. Il a un GPS ou quoi? Un GPS. Allez, c'est bon. Hop là, c'est fait. Vous pouvez dormir. Et si tu remets la ruche? Je suis dans le lit, si tu veux, le sage. On n'en parle pas de race campagne. Ouais, mais attends, ma situation est pas cool. Là, je suis dans les eaux glacées. Bon, ben voilà. Bah, moi, je peux pas passer la nuit. Je peux pas passer la nuit, tout retard. C'est pas possible. Attendez, je vais le faire. Faut juste laissez-moi 30 secondes, pardon. Je me dirige vers le plus T'inquiète, t'inquiète, moi. J'ai bêté l'abeille, hein. Elle a cramé, donc tout va bien. Je suis sorti des eaux glacées. Elle a fait sa chieuse, donc du coup... Ouais, c'est bon, on peut y aller. Merci. Je suis sous le château. Je suis en train de me faire vraiment une liaison entre le château et les profondeurs en chariot. T'es parti où, Torota? T'es là. Derrière toi. J'ai buté la petite abeille, malheureusement. Oui, mais celles qui viennent de naître, j'ai l'impression qu'elles sont un peu cons, quoi. Bah, faut qu'elles apprennent, ouais. Pardi. Ah, ben, en tout cas, elle apprend à être encore plus con qu'avant, alors. Ah merde, ça c'est moche. Elles apprennent à devenir blanc. Bouge pas. Le truc qui veut rien voilà. Dire. Voilà. Ah, mais je peux pas, j'ai pas de place, donc. C'est ramassé. Est-ce qu'il y aura une autre ruche par ici ou pas du tout? Je vais essayer une autre ruche. Oh. Hop. Bon, après, je sais pas, c'est comme vous voulez. Parce que comme ça peut rapporter pas mal d'abeilles, et puis après, peut-être que le sage, il a deux endroits différents. Il a Bella Sabla, il a son château. Peut-être qu'il en voudra une de plus. Quoi, une pour Bella Sabla et une pour le château. De ruche. Bella Sabla, peut-être pas. Le château, avec grand plaisir, puisqu'il y aura l'embarras du choix et de la place. Donc, lui. Oui, c'est très sympa. Oui, à terme, merci. Ouais. Mais c'est vrai que prochainement, avoir un sniffer dans le parc du château, ça va beaucoup me plaire. 23h, il reste encore une heure. Oui, ouais. C'est... Putain, moi aussi, j'ai pas vu l'heure. Je vais arrêter là bientôt. En revanche, moi, je vais retourner au... On va rentrer, ouais. On va... C'est ce qu'on va faire. On a tous un truc motivant et on se fait avoir... Le dit. Par le temps. Ouais. Complètement absorbé par le jeu, on est à fond dedans, c'est génial. Hop, on va reprendre les rails. C'est par ici. Voilà. C'est bon? J'ai mes repères. Ok.
Ou de la laine grise, si tu veux. Attends, est-ce que j'ai toutes les couleurs, donc tu... De la laine grise. Je peux faire un lit maintenant. Tu as besoin d'un lit ou pas, Torota? Non, puisque là, je vais rentrer de mon côté aussi. Hop. Ah, mon nez. Ah oui, on est reparti par là. Voilà. Fais gaffe au sous, hein. Ouais, il y a des cratères. Il y a des cratères faits par des... Cratères du paper. Je sais plus. Alors, le sage, oui. Je vais laisser une... ruche un ionné en plus, donc tiens. Ouais, je vais la porter, ouais, vas-y. Une ruche. Ah, c'est bon, je l'ai récupéré. Merde, il t'en manque une? Ben, t'en as eu, t'as combien de ruches? J'en ai que deux. Ah, t'en as que deux, bon, ben c'est bon, c'est bon. Je me disais, mais merde, j'ai oublié un truc. Non, non, c'est bon, c'est moi. Donc, que... T'es assis parce que t'avais rien dans la main. Tu viens de manger si tu restais. C'est vrai. Du coup, ben... Donc, il y en aura une pour le sage. Voilà. Et du coup, je vais reprendre le portail. Je vais aller chez le sage direct. Je vais t'apporter la ruche tout de suite. T'es chez au château, le sage, ou pas? Je suis au château. Je t'apporte la ruche maintenant. Bon, et eh bien voilà. Mission accomplie. Et puis, j'irai ouais. Me... Merci, Torota. Me chercher à bientôt. De la main plus tard. À bientôt. Je te salue, il ne me voit pas. Ah. Je salue d'autres. Je te vois de là-haut, t'inquiète pas. Coucou, oh, ouais. Attends, je me couche comme ça, je me baisse et je m'incline. Ah. Voilà. Allez, salut et merci beaucoup, Torota, pour m'avoir aidé à progresser avec la petite ruche. De rien, avec plaisir. Et direction Bena Sabla. On ne va pas regarder ce que fait Dan. Et si... D'ailleurs, tu sais, ma petite question, si tu crées une ruche à côté et que tu les fais reproduire, celles qui sont en cours peuvent entrer dans l'autre ou pas du tout? Oui. Oui, ok. Oui, créer une ruche. Ouais, c'est... Là, je vais faire plusieurs ruches. Hein. Dès que je rentre, je vais spammer les abeilles. Ah, mais tu m'étonnes. Là, tu vas en faire des gâteaux avec tout ça. Hein. Des gâteaux. Des gâteaux, des pains d'épices. Des pains d'épices. Ah oui, des bons pains d'épices au miel. Des cookies aussi. Le coco. Hop, je suis à Bella Sabla. Et maintenant. C'est très fort, c'est trop fort. Ouais, enfin, c'est pris un boulet bien placé, NH, sur son régiment, en plein milieu du régiment. Strike. Allez, je. Ah, c'est écrit ça. Strike. Oh, j'ai écrit strike, le sage. Voilà, c'est bon. Alors, où je vais les mettre Où je vais les placer, quoi. Ah, mais je vais les garder parce que... Oh... Oh là là, l'idée de malade. Ouais, c'est de... pas bon. Strike. Je vais strike tout ça. Mais elle va être contrariée, les abeilles dans mon secteur du château. Je suis en train de me dire, moi je suis dans la toundra. Les abeilles vont mourir dans la neige. Mais quoi? Tu penses? Bah tu mets des fleurs, elles vont butiner, c'est bon. Bah il faudra que je déploie la ruche, ouais, une fois que j'aurai un parterre de fleurs. Non, le singe aussi. Alors, moi c'est ce que je vais faire en particulier. Oui. Mais. Si tu te fais une salle spéciale ruche. Ah, en intérieur. Mais tu fais en intérieur,
Juste besoin de lumière pour faire pousser les plantes. Mais forcément aussi de la lumière pour pas que les monstres spawnent. Et tu mets, je sais pas, tu te une fois qu'elles te rapporteront du miel, ben tu crées d'autres ruches pour agrandir et puis tu te fais un jardin. Ouais, alors tu ouais, ça va peut-être être le devenir de ma serre intérieure. Oh, c'est chouette le sage, ça rend bien. Mmh. Ah oui. Les idées, on a les idées, les mêmes idées. On est des génies, voilà, c'est tout. Super la tour, le sage. Hein. Franchement, c'est ça a beau, de la gueule. Hein. Ouais, hein, ça en jette. Hein. Ouais. L'architecture, elle a une belle tronche. Et si j'enlevais. Oh, mais oui, je vais enlever mon potager, là, enfin mon jardin là-haut. Coucou. Parce que c'est le sage. Ah oui, je suis là. Je voulais une ruche avec trois abeilles. Moi, je pensais qu'il n'y en a que deux. Tiens. Merci, Dayonet. C'est adorable. N'oublie pas oui. Ce que m'a dit Torota. Il faut mettre le feu, la fumée en dessous avant oui. de poser la ruche. C'est ça? Ah, ben c'est mieux. Pour pas qu'elle t'attaque. D'accord. Oui. Parce que si, je sais pas, il y avait un accident que tu faisais péter la ruche. D'accord, ok. Il faut que je retienne la règle. Merci, Dayonet. Miki, Miki. Attends. Je me sais. Comme le chef du serveur. Allez, moi je vais y aller, je vais retourner à ma plateforme. Je veux dire mon plateau, mais j'ai pas de château, j'ai une plateforme. Pas encore, je reviendrai. Ça sera dans un autre projet, mais plus tard. Hein. Ouais. Faut que je finisse mon truc. Je vais pas faire un château, je pense que je vais faire un parc d'attractions. C'est sympa, c'est super sympa comme idée. Mais alors, tu rigoles, Nayone, mais je pense que c'est un des projets que je vais faire un rail. Alors, c'est compliqué parce que je ne sais pas, il faut que je fasse plein d'essais que ça soit sur dans Minecraft, mais je crois que ça va pas être possible. Je crois que ça va pas être possible ou pas être. Ouais, la chanson. Hop, je sais pas comment. Ouais, je vais réfléchir. Mais je pensais faire un truc assez grand. Bon, la piste d'atterrissage. Oh putain! Alors là, si je retrouve l'Enderman, je le défonce. Ah, il t'a semé le zouk. Il m'a enlevé une laine noire de ma piste d'atterrissage, l'enfoiré. Oh, le saboteur. Ah oh, putain, il faut pas mettre son pied là-dedans si t'atterris, merde. T'as un Enderman qui sabote. Ouais. J'ai vu une espèce de... Non, c'était sûrement un squelette. J'ai vu un truc violet, mais c'était un squelette enchanté ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a besoin de passer la nuit? Ouais, avec une arme enchantée, je pense. Non, moi, c'est... Je m'en fous. C'est moi, c'est optionnel. Ouais, pareil, bon, optionnel moi, pour optionnel moi. Aussi, Et moi, je suis toujours dans le nether. Bon, bah alors, comme ça... On peut négliger le passage à la nuit. De toute façon, si je meurs, hop, voilà, c'est ce que je disais. Mais tu vas me rendre la pierre, saboteur, aussi non, mais... Alors, j'ai dit de la bonne ruche ou pas? Ouais. Oh, peu importe. De toute façon, il suffit de la faire reproduire. Oui. T'inquiète pas. Non, mais toi, t'arrives sur la piste d'atterrissage et t'es sur la ligne blanche. Non, mais monsieur. C'est un creeper de risque. Non, non, un zombie qui marchait pile sur la ligne blanche d'atterrissage. Bon, c'était bienveillant de sa part, mais bon, c'est une piste d'atterrissage. Je suis désolé.
J'ai tellement farmé les mobs dans le Nether pour réparer mes outils que ça m'a fait 58 lingots d'or. Oh, joli. Bon, hop. Si vous voulez que je dorme, Nayo, tu me le dis, j'ai le lit à côté là de ma piste d'atterrissage. C'est pas urgent pour moi. Bon, ben ok, nickel. Non, c'est une piste d'atterrissage. Mais vous êtes sourds, les zombies? Quoi, là? Merde. Je n'aime pas cette araignée, elle va aller se faire cramer. Voilà, elle est cramée. Oh, tiens, il fait nuit. Hop. Par contre, ça, je le veux bien. Non, bon, on m'en fout, il m'en manque jamais pas. C'est pas trop tendu, donc c'est bon, on continue à arrêter. Ouais, après j'en remettrai plus tard, mais Oula, putain, j'ai trop de villageois, je crois bien. Mais j'ai des golems sur tous les toits où il y a des villages. Je suis à 1300 blocs, Nora. De blocs, on va pas à 1200. Nos deux rails sont des places. Des points. 1200. Qui est sympa. 1300. Ah! Une virée du Nether. Oh! Très bonne récolte. J'ai un gain de 14 verrues. C'est bon ça? Ah, mais oui, c'est vrai ça. Mais oui, c'est. Voilà. Et j'ai pas commencé la champignonnière. Oh là là, j'ai plein de choses à faire cet été dans Minecraft. La précieuse ruche, où est-ce que je vais la disposer? Je crois que je vais la mettre là. Ouais, encore merci du beau cadeau. Ouais. C'est un joli cadeau. Ah ouais. Ouais. Et ouais, à terme, la ruche, effectivement, elle sera dans la serre intérieure que j'ai déjà bâtie. Mais quand j'aurai refait de basculer en parc à visiter. Parce que là, c'est pratique, ça me fait de la canne à sucre et du blé. Mais il va y avoir une reconversion. J'en ai trop de ça. Par contre, je vais juste récupérer ça. Ça va m'aider. Autant que j'y pense, on va faire ça. 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 Hop. Là, on est bon. Zut, zut. J'ai oublié de prendre ma mule, mais je suis vraiment endormi là. On va faire ça pour l'instant. Pour l'instant, je vais tout ranger comme ça.
Et dans le canon, c'est où? Ah, tu me grattes. Parce que j'ai mal positionné. Je vais placer mon casque oreille. Roche noire. Attends, c'est quoi? Ah, ça m'a rapporté autant de bois! Oh punaise! J'avais même pas fait gaffe que j'avais récolté autant de bois. Mais c'est une heureuse surprise. Les pousses de sapin, elles sont où? Oui. Là. Bon, allez, let's go. Je pensais pas le faire maintenant, mais. J'ai désordonné le placement des objets dans mon inventaire, enfin barre d'action. Il faut que je le vire. Donc les grandes fleurs pour les abeilles, ok. Alors, ah bah non, faut que j'en fasse là aussi, que je suis bête. Je vous laisse pendant 10 minutes, je reviens. Oui, fais donc. Je suis allé chercher quoi? Une hache. Hop. On va finir les haches. Qu'est-ce que je détruis, ce qui est déjà en place? Oh, nul, le mec. Alors, les ruches, comment est-ce qu'on les craft? Pas logique. Avec du miel. Ah! Ok, donc j'ai pas encore découvert le miel, donc je peux pas. Alors, tu as deux possibilités pour récupérer le miel. Soit tu prends une fiole vide. Une quoi? Une pierre vide? Une fiole vide. Donc, avec du verre, tu peux créer une bouteille vide, si tu veux. Ouais. Soit avec des ciseaux, des cisailles. Et ça te donne des rayons de miel. D'accord. En tout cas, je vais chercher des fioles. Du coup, là, je vais... Je vais revenir. Oui. Je vais me mettre dans un endroit safe pour pas avoir de soucis quelconques. Voilà. Et je vous dis à de suite. Les fioles vides, on prend du verre. Alors, moi, il me faut deux cubes de redstone. Les cubes vont faire l'affaire. Merde, j'ai pas d'établi. Oh! Je me souvenais pas que j'avais autant de ressources sous la main, moi, ici. Mazette. 28 coffres. Ah oui, il faut pas que je perde les 28 coffres. Bah. Ah ouais, j'ai pas eu la pensée d'esprit de mettre un établi ici.
Bon. Hop, hein, je fasse un feu. Oui, charbon, charbon de bois, charon. Vu que j'ai bois de chêne écorcé, le jeune j'ai écorcé. Vu que je la scie du bâton là. Pardon, ah oui, non, mais là, le sommeil me rattrape. Bon, moi, naturellement, ça, je vais être raisonnable, je ne tiendrai pas jusqu'à minuit. Je me serais déconnecté avant, hein, je vous le dis tout de suite. Bloc de bois, bloc de terre. Des sapins. La ruche, on l'attache au tronc, c'est ça? Oh! Attends, c'est une portière que j'ai entendue? C'est le sage qui... Non, Mon voisin? c'est... Ah, ton voisin, ok. Ouais. Je sais plus ce matin quand je suis revenu du vote, mais j'étais patraque. Je crois qu'il y avait la bagnole d'un nunuche qui était garée dans la rue qui ne vient pas habituellement. C'est peut-être un invité, c'est peut-être lui dont je viens d'entendre la portière claquer. En médecine, ça sent très bien, pas plus. Que ça pousse. Alors pour attendre que ça pousse, j'ai cherché de la poudre d'os. Poudre d'os. Demain soir, quand je jouerai à Minecraft, je pense que ma motivation de demain soir, ce sera la champignonnière côté château. D'ailleurs, non, mais attends, comment je vais faire ma champignonnière, moi? Oh, j'ai une idée. J'ai une idée qui me vient à l'esprit. Lumière de nous traverser l'esprit. Yep.
Bon, je vais rester encore un peu en vocal avec vous. Ouais. Mais là, je vais immédiatement me déconnecter de Minecraft. Parce que là, j'ai le cerveau qui s'endort. C'est bon, là, dans... Je crois même pouvoir affirmer qu'à minuit, je serais déjà en train de ronfler dans mon plumard. Ouais, mais c'est bien. Très bien. Bonne nuit à toi, alors. Bonne nuit. Bonne nuit, les Minecraftiens. Serveur Minecraft a dit. Serveur Minecraft a dit, astérisque le sage de Nancy, astérisque, speech-babaloon, bonne nuit les Minecraftiens, émoticône sourire. Serveur Minecraft a dit. Oh là, déjà, il y en a qui m'ont... Pardon. Il y en a qui m'ont encore interpellé dans le Discord. Il va falloir que je réponde. Alors, attends, moi, je fais ça.